Chris, merci pour le follow. J'espère que vous allez bien. Du coup, ce soir, on se retrouve pour de l'ASMR en fait. Voilà. ASMR en lecture chuchotée. Sur la suite de Harry Potter et la coupe de feu. Du coup, aujourd'hui, ça va être assez intéressant. Puisque on a la deuxième tâche. Voilà. Ce qui est plutôt cool. Cette œuvre de temps en temps, tu veux bien, murmura Harry, tandis que le professeur Flitwick
apparut apparemment résigné, leur passait devant le nez dans un long vol plané en atterrissant au sommet d'une grande armoire. J'essaye de te parler de Rogue et de Maugrey. C'était le cours idéal pour avoir une conversation privée. Les autres s'amusaient tellement qu'ils ne leur prêtaient aucune attention. Harry avait passé la demi-heure précédente à relater plusieurs épisodes entrecoupés de lancers de coussins, les événements de la nuit passée. D'après Rogue, Maugrey aussi a fouillé son bureau, chuchota Ron, une lueur de curiosité dans l'œil, tout en projetant un coussin d'un coup de baguette magique. Le coussin vola un peu trop bas et fit tomber le chapeau de Parvati. Alors quoi, tu crois que Maugrey serait ici pour surveiller Rogue autant que Karkaroff? Je ne sais pas si Dumbledore le lui a demandé, mais en tout cas c'est ce qu'il fait, répondit Harry. Il agita machinalement sa baguette magique, en voyant son coussin atterrir mollement sur une table. Maugrey prétend que Dumbledore garde Rogue parce qu'il veut lui donner une deuxième chance ou quelque chose dans ce genre-là. Quoi ? Dit Ron les yeux écarquillés. Le coussin qu'il venait de projeter dans les airs d'un coup de baguette magique rebondit sur le lustre et tomba lourdement sur le bureau de professeur Flitwick. Harry, Maugrey croit peut-être que c'est Rogue qui a mis ton nom dans la coupe de feu. Allons, Ron, dit Hermione en hochant la tête d'un air sceptique. À un moment, on a cru que Rogue voulait tuer Harry et en fait, il lui a sauvé la vie, tu te souviens? Elle jeta un sortilège d'expulsion qui envoya un coussin à l'autre bout de la classe où il atterrit impeccablement dans la boîte prévue à cet effet. Harry regarda Hermione et réfléchit à ce qu'elle venait de dire. Il était vrai que Rogue lui avait sauvé la vie un jour, ce qui paraissait étrange, car Rogue le détestait cordialement, tout comme il avait détesté le père de Harry lorsqu'ils étaient à l'école ensemble. Il aimait par-dessus tout ôter des points à Harry et n'avait jamais laissé passer une occasion de lui infliger une punition ou même de suggérer son renvoi de l'école. Je m'en fiche de ce que dit Maugrey, poursuivit Hermione. Dumbledore n'est pas idiot. Il a une raison de faire confiance à Hagrid et au professeur Lupin, alors que beaucoup d'autres ne leur auraient jamais confié le moindre travail. Alors pourquoi n'aurait-il pas une aussi bonne raison en ce qui concerne Rogue, même si Rogue est un peu... malfaisant, dit aussitôt Ron. Réfléchis un peu, Hermione. Pourquoi tous ces chasseurs de mages noirs iraient-ils fouiller dans son bureau? Pourquoi M. Groupton a-t-il fait semblant d'être malade? Reprit Hermione sans prêter attention à ce que avait dit Ron. C'est quand même un peu bizarre qu'il ne puisse pas assister au bal de Noël, mais qu'il soit capable de venir ici, au milieu de la nuit. Tu n'aimes pas Groupton à cause de ce qu'il a fait à son elfe, dit Ron en envoyant un coussin s'écraser contre la fenêtre. Et toi, tu tiens absolument à ce que Rogue mijote quelque chose de louche, répliqua Hermione, qui réussit une fois de plus à faire atterrir son coussin dans la boîte. J'aimerais simplement savoir ce qu'a fait Rogue quand on lui a donné sa deuxième chance, puisque maintenant c'est sa deuxième, dit Harry d'un ton sinistre. À sa grande surprise, son propre coussin vola à travers la salle et alla se poser exactement sur celui d'Hermione. Obéissant aux vœux de Sirius, qui voulait être tenu au courant de tout ce qui se passait d'inhabituel à Poudlard, Harry lui envoya ce soir-là une lettre par Scooty Hibou, un hibou de l'école qui était toujours prêt, pour lui raconter que M. Groupton s'était introduit dans le bureau de Rogue et lui rapportait en détail la conversation entre Rogue et Maugrey. Harry se concentra ensuite très sérieusement sur le problème le plus urgent auquel il devait faire face. Comment survivre en restant une heure sous l'eau le 24 février? Ron était partisan d'utiliser à nouveau le sortilège d'attraction. Harry lui avait en effet parlé des équipements de plongée sous-marine qui se servaient les moldus, et Ron ne voyait pas ce qui l'empêchait d'en faire venir un de la ville moldue la plus proche grâce à un sortilège d'attraction. Mais Hermione balaya l'idée en faisant observer que, même si Harry apprenait à faire fonctionner des bouteilles à oxygène dans le temps qui lui était imparti, il était sûr d'être disqualifié pour avoir violé le code international du secret magique,
impossible, en effet, de faire voler un équipement de plongée sous-marine sur des kilomètres sans qu'aucun moldu ne le remarque. Bien sûr, la solution idéale, ce serait de transformer en sous-marin, ou quelque chose dans ce genre-là, dit-elle, si seulement nous avions déjà étudié les métamorphoses humaines. Mais nous ne l'abordons qu'en 6e année, et ça peut tourner très mal quand on ne sait pas bien s'y prendre. Coucou, Nathan, on est au chapitre 6 de La Coupe de Feu, le quatrième volet. Le chapitre, c'est la deuxième tâche. Je n'ai pas envie de me promener avec un périscope sur la tête, dit Harry. Peut-être que si j'attaque quelqu'un en présence de Maugrey, il fera ça pour moi. Je ne pense pas qu'il te laisserait choisir en quoi tu veux te transformer, dit Hermione d'un ton très sérieux. Non, je crois que ta seule chance, c'est d'utiliser un sortilège. Et merci pour le follow, c'est gentil, Nathan. Ainsi, Harry, qui pensait avoir déjà passé suffisamment de temps à la bibliothèque pour le reste de ses jours, se plongea à nouveau dans des piles de volumes poussiéreux, en quête d'un sortilège qui puisse donner à un être humain la faculté de se passer d'oxygène. Ron, Hermione et lui eurent beau consacrer leurs heures de déjeuner, leurs soirées et des week-ends entiers à chercher. Ils ne trouvèrent rien qui permette à Harry de rester une heure sous l'eau et d'en sortir vivant. Même dans la réserve de la bibliothèque, à laquelle il avait accès grâce à un mot du professeur McGonagall, et même après avoir demandé conseil à Madame Pince, l'irritable bibliothécaire à tête de vautour. Par moments, Harry se sentait pris d'une telle panique qu'il avait du mal à se concentrer pendant les cours. Le lac, qui avait toujours été pour lui un simple élément de paysage, attirait à présent son regard chaque fois qu'il était assis près d'une fenêtre. Sa vaste étendue grise et froide, aux profondeurs sombres et glacées, lui semblait désormais aussi inaccessible que la lune. De la même manière qu'avant l'épreuve du dragon, le temps filait à une vitesse comme si on avait ensorcelé montre et pendule pour qu'elles tournent plus vite. Il restait une semaine avant le 24 février. Il avait encore du temps. Puis, il ne resta plus que 5 jours. Il fallait très vite trouver quelque chose. Plus que 3 jours. Oh, s'il vous plaît, faites que je trouve quelque chose, s'il vous plaît. 2 jours avant, Harry fut à nouveau incapable de manger. La seule bonne nouvelle, pendant le petit déjeuner du lundi, fut le retour du hibou qui avait envoyé Sirius. Il détacha le parchemin, le déroula, et lut le mot le plus court que Sirius eût jamais écrit. Fais-moi savoir la date du prochain week-end après Hollard, par retour de hibou. Harry retourna le parchemin, sans rien d'autre n'était écrit au verso. C'est le week-end après celui qui vient, murmura Hermione, qui avait lu par-dessus son épaule. Tiens, prends ma plume et renvoie-le-lui immédiatement. Harry griffonna la date au dos du parchemin. Il l'attacha à nouveau à la patte du hibou et le regarda s'envoler. À quoi s'était-il attendu? À un conseil pour lui indiquer comment respirer sous l'eau. Il s'était tellement appliqué à raconter à Sirius tout ce qui s'était passé entre Rogue et Maugrey, qu'il avait complètement oublié de lui parler de l'œuf d'or. Pourquoi est-ce qu'il veut connaître la date du prochain week-end après Hollard? S'étonna Ron. Je sais pas, répondit Harry, l'air battu. Le moment de bonheur qu'il avait ressenti en voyant arriver le hibou s'était évanoui. Venez, dit-il, on a un cours de soins aux créatures magiques. Hagrid voulait-il se faire pardonner la dernière séance avec l'escourte à Bédard, qui d'ailleurs n'était plus que deux, ou bien essayait-il de prouver qu'il pouvait faire aussi bien que le professeur Coppe-Blanche? Harry n'en savait rien, mais en tout cas, depuis qu'il avait recommencé à travailler, il avait poursuivi les cours sur les licornes. Il apparut très vite que Hagrid en savait autant sur leur sujet que sur les monstres, même s'il semblait regretter qu'elles soient dépourvues de crochets venimeux. Ce jour-là, il avait réussi à capturer 2 poulains de licorne. À la différence des licornes adultes, elles étaient d'une couleur d'or pur. Parvati et Lavande éprouvèrent un véritable ravissement en les voyant, et même Pansy Parkinson dut faire de sérieux efforts pour ne pas montrer à quel point elle les trouvait adorables. Les petits sont plus faciles à repérer que les adultes, expliqua Hagrid. Les licornes prennent une couleur argentée vers l'âge de 2 ans,
et il leur pousse une corne vers 4 ans. Elles ne deviennent complètement blanches qu'à l'âge adulte, c'est-à-dire aux environs de 7 ans. Elles sont un peu plus confiantes quand elles sont toutes petites, mais elles n'aiment pas beaucoup les garçons. Venez, approchez-vous. Vous pouvez les caresser si vous voulez. Donnez-leur des morceaux de sucre. Tandis que la plupart des élèves se rassemblaient autour des bébés licornes, Hagrid se glissa vers Harry. « Ça va ?» lui demanda-t-il. « Oui, oui, » assura Harry. « Un peu le trac, sans doute, » dit Hagrid. « Un peu, » avoua Harry. Hagrid abattit une de ses énormes mains sur son épaule et Harry sentit ses genoux fléchir sous le choc. « Tu sais, Harry, » reprit-il, « je me suis fait du souci pour toi avant que tu affrontes le dragon. Mais maintenant, je sais que tu es capable de réussir tout ce que tu veux. Je ne suis absolument plus inquiet. Ça se passera très bien. Tu as résolu l'énigme, pas vrai ?» Harry approuva d'un signe de tête, mais il ressentit en même temps un besoin irrépressible d'avouer qu'il n'avait pas la moindre idée de la façon dont il devait s'y prendre pour arriver à passer une heure au fond de l'eau. Il leva les yeux vers Hagrid. Peut-être était-il parfois obligé de descendre dans le lac pour s'occuper des créatures qui y vivaient. Après tout, c'était lui qui prenait soin de tout ce qu'il y avait dans le parc. « Tu vas gagner !» grogna Hagrid en le gratifiant d'une nouvelle tape sur l'épaule qui donna à Harry l'impression de s'effondrer de 5 cm dans le sol boueux. « Je le sais, je le sens, tu vas gagner Harry !» Le sourire qui éclairait le visage de Hagrid était si heureux, si confiant, que Harry ne put se résoudre à dire quoi que ce soit, de peur de le voir s'effacer. Il se força à sourire également, puis, faisant mine de s'intéresser aux jeunes licornes, il s'en approcha à son tour pour les caresser en même temps que les autres. La veille de la deuxième tâche, Harry eut l'impression d'être prisonnier d'un cauchemar. Il avait parfaitement conscience que, même si par quelconque miracle il arrivait à trouver un sortilège adéquat, il lui serait très difficile d'apprendre à le maîtriser en une nuit. Comment avait-il pu se mettre dans une telle situation ? Pourquoi n'avait-il pas cherché à résoudre l'énigme de l'œuf plus tôt ? Pourquoi avait-il si souvent négligé d'écouter ce que les professeurs disaient en classe ? Peut-être que l'un d'eux avait un jour parlé d'un moyen de respirer sous l'eau. Tandis que le soleil se couchait, Harry, Ron et Hermione, assis dans la bibliothèque, cachés par les immenses piles de livres qui les entouraient, feuilletait fébrilement des pages et des pages remplies de sortilèges les plus divers. Harry sentait son cœur bondir dans sa poitrine chaque fois qu'il voyait apparaître le mot « eau ». Mais la plupart du temps, il s'agissait tout simplement de mélanger deux pintes d'eau, un demi-livre de feuilles de mandragore hachées et une salamandre. « Je pense que c'est tout simplement impossible », dit soudain Ron à l'autre bout de la salle. « Il n'y a rien, rien. » Ce qui s'en rapprochait le plus, c'était ce truc pour assécher les flaques et les mares, le sortilège de sécheresse. Mais ce n'est pas assez puissant pour vider un lac. « Il doit sûrement exister quelque chose », marmonna Hermione en approchant une chandelle pour mieux voir. Elle avait les yeux si fatigués qu'elle était obligée de coller son nez sur les minuscules caractères de sorts et enchantements anciens et oubliés pour arriver à les lire. Il n'aurait jamais imposé une tâche impossible à accomplir, fit-elle remarquer. C'est pourtant ce qu'ils ont fait, dit Ron. Harry, demain, tu n'as plus qu'à descendre au bord du lac, plonger la tête dans l'eau et crier aux sirènes de rendre ce qu'elles t'ont volé et voir si elles acceptent de leur envoyer. C'est la meilleure chose que tu puisses faire, mon vieux. Il y a un moyen d'y arriver, dit Hermione avec colère. Il y en a forcément un. Elle semblait considérer le manque d'informations de la bibliothèque sur ce sujet comme une insulte personnelle. Jamais, jusqu'à présent, la bibliothèque ne l'avait trahi. « Je sais ce que j'aurais dû faire, » dit Harry, en s'attardant la tête penchée en arrière sur « rouille et fourberie » pour sorcier hardie. « J'aurais dû apprendre à être un animagus comme Sirius. »« Oui, tu aurais pu te transformer en poisson rouge quand tu l'aurais voulu, » dit Ron. « Ou en grenouille, » ajouta Harry en bâillant. Il était épuisé. Il faut des années pour devenir un animagus, et en plus, on est obligé de se déclarer, dit vaguement Hermione, qui consultait l'index
des dilemmes de la sorcellerie insolite et leurs solutions. Le professeur McGonagall nous l'a dit, vous vous en souvenez. Il faut se faire enregistrer comme tel par le service des usages abusifs de la magie, préciser en quel animal on se transforme, indiquer ses signes particuliers pour qu'on ne puisse pas s'en servir à des fins malhonnêtes. Hermione, je plaisantais, dit Harry d'un ton lasse. Je sais bien que je n'ai aucune chance d'apprendre à me transformer en grenouille d'ici demain matin. Ce livre ne sert à rien, dit Hermione en refermant d'un coup sec les dilemmes de la sorcellerie insolite. Qui donc aurait envie de faire des frisettes à des poils de nez? Moi, ça me plairait assez, dit la voix de Fred Weasley. C'est un bon moyen de faire parler de soi, non? Harry et Hermione levèrent la tête en même temps. Fred et George avaient surgi de derrière un rayon de livres. Qu'est-ce que vous faites là? Demanda Ron. On te cherchait, répondit George. McGonagall veut te voir, et toi aussi, Hermione. Pourquoi? S'étonna Hermione. Je sais pas, mais elle avait l'air assez sinistre, dit Fred. On est chargé de vous emmener dans son bureau, dit George. Ron et Hermione regardèrent Harry, qui sentit son estomac se retourner. Le professeur McGonagall avait-elle quelque chose à leur reprocher? Elle avait peut-être remarqué qu'il passait beaucoup de temps à l'aider, alors qu'il était censé réfléchir tout seul aux moyens d'accomplir sa tâche. On se retrouve dans la salle commune, dit Hermione, qui se leva en même temps que Ron. Tous deux avaient l'air très inquiets. Apporte autant de livres que tu pourras, d'accord? D'accord, répondit Harry, mal à l'aise. Vers 8 heures, Madame Pince avait éteint toutes les lampes et elle chassa Harry de la bibliothèque. Titubant sous le poids des livres qu'il avait emportés, le plus grand nombre possible, Harry retourna dans la tour de Gryffondor, tira une table dans un coin, à l'écart des autres, et continua de chercher. Il n'y avait rien dans Magie ma boule pour sorcier sonné, rien dans le guide de la sorcellerie médiévale, pas la moindre allusion à des exploits sous-marins dans Anthologie des enchantements du XVIIIe siècle, ni dans Créatures abominables des profondeurs, pas davantage dans Les pouvoirs que vous avez toujours eu sans le savoir et comment les utiliser maintenant que vous êtes un peu plus sage. Bâton rond vient se poltonner sur les genoux de Harry et se mit à ronronner avec force. La salle commune se vidait peu à peu. Avant de monter dans leur dortoir, ses camarades lui sautaient d'une bonne chance d'un ton allègre et confiant, comme Hagrid. Apparemment, tout le monde était convaincu qu'il allait réaliser un nouvel exploit éblouissant, comme le jour de la première tâche. Incapable de prononcer un mot, Harry se contentait de répondre d'un signe de tête. Il avait l'impression d'avoir une balle de golf coincée dans la gorge. À minuit moins 10, il demeura seul dans la salle avec Bâton. Il avait cherché dans tous les livres qui restaient, et Ron et Hermione n'étaient toujours pas revenus. « C'est fini, se dit-il, impossible d'y arriver. Il faudra descendre au bord du lac demain matin et déclarer forfait devant les juges. » Il s'imagina en train d'expliquer qu'il était incapable d'accomplir la tâche. Il se représenta le visage aux yeux ronds de surprise de Verbeck. Le sourire satisfait de Karkaroff découvrant cet en jaune. Il avait l'impression d'entendre Fleur de la Cour dire « Enfin, c'est insensé, je le savais bien. Il est trop jeune, c'est un petit garçon. Quelle organisation, vraiment !» Il voyait déjà Malfoy appuyer son badge à bas Potter au premier rang de la foule. Il voyait le visage incrédule, déconfit de Hagrid. Oubliant que Bâton était sur ses genoux, Harry se leva brusquement. Le chat tomba par terre en crachant avec fureur, puis il jeta un regard dégoûté à Harry et s'éloigna la queue dressée. Mais Harry montait déjà catacat l'escalier du dortoir. Il voulait prendre sa cape d'invisibilité et retourner à la bibliothèque. Il y resterait toute la nuit s'il le fallait. Lumos, murmura Harry un quart d'heure plus tard en ouvrant la porte de la bibliothèque. L'extrémité de sa baguette magique allumée, il se glissa le long des rayonnages pour prendre d'autres livres, des livres sur les maléfices, les enchantements, les sortilèges, les livres sur les sirènes et les monstres aquatiques, des livres sur les sorcières et les sorciers célèbres, sur les inventions magiques,
sur tout ce qui pouvait avoir un rapport quelconque avec la survie sous l'eau. Il emporta la pile de volumes sur une table, puis se mit au travail, éclairant les pages avec la mince vaisseau lumineux de sa baguette magique, jetant de temps à autre un coup d'œil à sa montre. 1 h du matin, 2 h du matin, la seule façon de se tenir éveillé, c'était de se répéter inlassablement. Dans le prochain livre, il y aura quelque chose dans le prochain livre, le prochain livre. Dans la salle de bain des préfets, la sirène du tableau riait aux éclats. Harry était ballotté comme un bouchon à la surface d'une eau pleine de mousse, juste à côté du rocher sur lequel elle était allongée. D'une main, elle agitait l'éclair de feu au-dessus de sa tête. « Allez, attrape-le, » disait-elle avec un rire narquois. « Vas-y, saute. » « Je ne peux pas, » répondait Harry d'un ton haletant. Il essayait vainement d'attraper l'éclair de feu en s'efforçant de ne pas couler. « Rends-le-moi. » Mais elle se contentait de lui donner des petits coups dans les côtes avec le manche à balai et riait de plus belle. « Ça fait mal, arrête, aïe. Harry Potter doit se réveiller, monsieur. Arrête de me donner des coups. Dobby doit donner des coups à Harry Potter, monsieur. Il faut qu'il se réveille. » Harry ouvrit les yeux. Il était toujours dans la bibliothèque. La cape d'invisibilité avait glissé quand il s'était endormi, et sa tête reposait sur les pages de « Tant qu'il y a de la magie, il y a de l'espoir. » Il se redressa, rajusta ses lunettes et cligna des yeux à la lumière du jour. « Harry Potter doit se dépêcher, Queen Dobby. La deuxième tâche commence dans 10 minutes, et Harry Potter, 10 minutes, crois ça, Harry, 10 minutes. » Il regarda sa montre. Dobby disait vrai. Il était 9h20. Harry eut l'impression qu'un grand poids lui tombait dans l'estomac. « Dépêchez-vous, Harry Potter !» s'écria Dobby, en tirant Harry par la manche. « Il faut descendre au bord du lac avec les autres champions, monsieur. »« Il est trop tard, Dobby !» dit Harry, d'une voix désespérée. « Je n'accomplirai pas cette tâche, j'en suis incapable. »« Harry Potter accomplira la tâche, Queen Alelve. » Dobby sait que Harry Potter n'a pas trouvé le bon livre, alors Dobby a trouvé pour lui. Quoi ? S'exclama Harry. Mais tu ne sais pas en quoi consiste la deuxième tâche. Dobby sait, monsieur. Harry Potter doit plonger dans le lac et trouver son whisky. Trouver quoi ? Il doit reprendre son whisky au peuple des sirènes. Un whisky ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Votre whisky, monsieur. Le monsieur whisky qui a donné à Dobby son pull-over. Dobby tira sur le pull violet et rétréci qu'il portait maintenant par-dessus son short. « Quoi ? » s'écria Harry. « Tu veux dire Weasley ? Ron Weasley ? Ils ont capturé Ron. »« Ce qui est le plus cher à Harry Potter, monsieur. » dit Dobby. Et après l'heure écoulée, renonce à tout espoir, récita Harry, frappé d'horreur. « Tes efforts seront vains, car il sera trop tard, Dobby. Qu'est-ce que je dois faire ?» « Il faut manger ceci, monsieur Quinalelfe. » Il sortit de la poche de son short une boule qui ressemblait constituée d'un enchevêtrement de queues de rat grises et gluantes. « Juste avant de plonger dans l'eau, monsieur, ce sont des branchiflores. »« Et qu'est-ce que ça fait ?» demanda Harry en regardant la poule. « La branchiflore permettra à Harry Potter de respirer sous l'eau, monsieur. » « Dobby, » dit Harry d'un ton frénétique, « tu es sûr de ça ?» Il n'était pas prêt d'oublier le jour où Dobby avait essayé de l'aider et où tous ses os de son bras avaient disparu. Dobby en est absolument sûr, monsieur, répondit l'elfe d'un air très sérieux. Dobby entend des choses, monsieur. C'est un elfe de maison. Il va partout dans le château pour allumer les feux et laver par terre. Dobby a entendu le professeur McGonagall et le professeur Maugrey. Ils parlaient de la prochaine tâche dans la salle des professeurs. Et Dobby ne laisserait pas Harry Potter perdre son whisky. Les derniers doutes de Harry s'évanouirent. Il se leva d'un bond, fourra sa cape d'invisibilité dans son sac, glissa la branchiflore dans sa poche, puis sortit en trombe de la bibliothèque, Dobby sur ses talons. « Dobby doit très vite retourner aux cuisines, monsieur, » cria l'elfe. « On a besoin de Dobby là-bas. Bonne chance, Harry Potter. Bonne chance, monsieur. » « À plus tard, Dobby, » lui lança Harry. Il courut le long du couloir et descendit les marches 4 à 4. Dans le hall d'entrée, quelques retardataires sortaient encore de la grande salle où ils venaient de prendre leur petit déjeuner
dirigé vers le parc pour assister à la deuxième tâche. Ils regardèrent Harry traverser le hall au pas de course et projeter Colin et Dennis Creever dans les airs, tandis qu'ils sautaient en bas des marches de pierre et se précipitaient vers le lac. « Bonjour Negasio, comment ça va ?» Il vit au loin que les tribunes installées autour de l'enclos des dragons au mois de novembre se dressaient à présent sur la rive opposée du lac. Elle était bondée de spectateurs et la rumeur des conversations étouffée, résonnait étrangement sur la surface de l'eau. Harry courut à perte haleine en direction des juges, assis à une table drapée d'or au bord du lac. Cédric, Fleur et Crum se trouvaient déjà à côté de la table et regardaient Harry se ruer vers. Bah écoute, ça va bien, tranquille, petit ASMR. J'arrive, dit-il d'une voix haletante. Il s'arrêta en débarrant sur le sol boueux et éclaboussant malencontreusement la robe de fleurs. Où étais-tu ? Demanda une voix impérieuse et réprobatrice. L'épreuve est sur le point de commencer. Harry se retourna et vit Percy Weasley, assis à la table des juges. Monsieur Croupton s'était fait remplacer une fois de plus. « Allons, allons, Percy, » dit Ludo Verbet, qui paraissait profondément soulagé de voir Harry. « Laisse-lui le temps de se reprendre. » Dumbledore adressa un sourire à Harry, mais Karkaroff et Madame Maxime n'avaient pas du tout l'air contents de le voir apparaître. À en juger par l'expression de leur visage, ils avaient dû penser qu'il ne viendrait pas. Harry se pencha en avant, les mains sur les genoux, pour reprendre sa respiration. Il avait un point de côté qui lui donnait l'impression d'avoir un couteau planté entre les côtes, mais il n'avait pas le temps d'attendre qu'il disparaisse. Ludo Verbet s'était avancé vers les champions et les disposait à présent le long de la rive, à 3 mètres de distance les uns des autres. Harry se retrouva à l'autre bout du rang, à côté de Crum, qui était en maillot de bain, et tenait sa baguette magique prête. Ça va, Harry ? Demanda Verbet en le poussant un peu plus à l'écart de Crum. Tu sais ce que tu vas faire ? Oui, dit Harry le souffle court. Il continuait de masser ses côtes douloureuses pour essayer de soulager son point de côté. Verbet lui serra l'épaule d'un petit geste amical et retourna à la table des juges. Il dirigea alors sa baguette magique vers sa gorge et murmura. Sonorus. Aussitôt, sa voix résonna à la surface du lac jusqu'aux tribunes dressées sur la rive opposée. Et voilà, dit-il, tous nos champions sont prêts à entreprendre la deuxième tâche qui commence à mon coup de sifflet. Ils auront exactement 1 heure pour reprendre ce qui leur a été enlevé. Attention, à 3. 1, 2, 3. Un coup de sifflet strident retentit à l'air du frais du matin. Des applaudissements et des cris explosèrent dans les tribunes. Sans regarder ce que faisaient les autres champions, Harry enleva ses chaussures et ses chaussettes, sortit la brangiflore de sa poche et la fourra dans sa bouche et entra dans l'eau. Le lac était si froid qu'il avait l'impression qu'on lui brûlait la peau des jambes. À mesure qu'il s'enfonçait, sa robe mouillée pesait de plus en plus lourd. L'eau lui arrivait à présent dessus du genou et ses pieds s'engourdis glissait sur des pierres plates recouvertes de vases et de limon. Merci beaucoup. Il mâcha la branchiflore qui avait une consistance visqueuse, caoutchouteuse, comme des tentacules de pieuvre. Enfoncé jusqu'à la taille dans l'eau glacée, il s'arrêta, avala, et attendit que quelque chose se passe. Il entendait la foule rire et savait qu'il devait avoir l'air parfaitement stupide à marcher ainsi dans l'eau sans manifester le moindre pouvoir magique. À moitié immergé d'une brise cruellement glacée et ébouriffant ses cheveux, il tremblait de la tête aux pieds. Harry évita de regarder en direction des tribunes. Les rires étaient de plus en plus bruyants, les serpentards le sifflaient et se moquaient de lui. Puis, brusquement, il eut l'impression qu'on lui plaquait un oreiller invisible sur la bouche et le nez. Il essaya de reprendre sa respiration, mais ses efforts lui donnaient le tournis. Ses poumons étaient vides et il éprouva soudain une douleur fulgurante de chaque côté du cou. Harry porta ses mains à sa gorge et sentit sous ses oreilles de larges fentes
et vit la silhouette floue de Mimi Chéniard qui flottait devant lui en le regardant à travers
derrière ses épaisses lunettes, brillantes comme des perles. Mimi essaya de s'exclamer Harry, mais cette fois encore, seule une très grosse bulle sortit de sa bouche. Mimi Géniard, en revanche, parvint à bouffer de rire. « Tu devrais essayer là-bas, » dit-elle, en pointant le doigt. « Je préfère ne pas venir avec toi. Je ne les aime pas beaucoup. Ils me courent toujours après quand je m'approche. » Harry leva le pouce pour la remercier et suivit la direction indiquée, en prenant soin de nager plus haut et au-dessus des herbes afin d'éviter les stranculots qui s'y cachaient. Il nagea ainsi pendant une vingtaine de minutes. Il voyait défiler des vastes étendues noires d'où s'échappaient des tourbillons de boue dans les remous qu'il provoquait. Enfin, il entendit un morceau de l'obsédante chanson des sirènes. « Pendant une heure entière, il te faudra chercher si tu veux retrouver ce qu'on t'a arraché. » Harry nagea plus vite et vit bientôt un grand rocher se dessiner dans l'eau de pause. Des dessins de sirènes et de tritons y étaient gravés. Ils étaient armés de lances et poursuivaient ce qui paraissait être le calamar géant. Harry passa devant le rocher en suivant le son de la chanson qu'il continuait d'entendre. « La moitié de ton temps s'est enfuie, hâte-toi, sinon ce que tu cherches en ces eaux pourrira. » Des bâtisses rudimentaires, de pierres brutes, aux murs parsemés d'algues apparurent soudain de tous côtés dans la pénombre. Par endroits, derrière les fenêtres sombres, Harry apercevait des visages qui ne ressemblaient en rien au portrait de la sirène dans la salle de bain des préfets. Ces êtres avaient la peau grise et de longs cheveux hirsutes d'une couleur vert sombre. Leurs yeux étaient jaunes, tout comme leurs dents cassées, et ils portaient autour du cou des grosses cordes fabriquées avec des cailloux. Ils lancèrent à Harry des regards mauvais en le voyant passer, et un ou deux d'entre eux sortirent de leur repère pour observer de plus près, une lance à la main, leur puissante queue de poisson argentée battant l'eau avec force. Harry nageait encore plus vite, et bientôt, les abris de pierre devinrent de plus en plus nombreux. Certains étaient entourés de jardins de plantes aquatiques, et il vit même un stranculot apprivoisé, attaché à un piquet devant une porte. Les êtres de l'eau sortaient de tous les côtés à présent. Il le regardait avec avidité, montrait ses mains palmées et ses branchies, exagérait des remarques sur son passage, la main devant sa bouche, devant la bouche. Harry accéléra l'allure, et un très étrange spectacle s'offrit alors à ses yeux. Une véritable foule était rassemblée devant les bâtisses qui délimitaient une sorte de place de village aquatique. Un chœur composé d'êtres de l'eau chantait au milieu de la place, invitant les champions à s'approcher. Derrière le chœur grossièrement taillé dans un bloc de rocher, s'élevait une gigantesque statue qui représentait une de ces créatures. Quatre personnes étaient solidement attachées à la queue du poisson de la statue. Ron était ligoté entre Hermione et Cho Chang. Il y avait aussi une fillette qui ne devait pas avoir plus de 8 ans. En voyant ses longs cheveux d'un blond argenté qui flottaient autour d'elle comme un nuage, Harry eut la certitude qu'il s'agissait de la sœur de la cour. Tous les quatre semblaient plongés dans un sommeil profond. Ballottés entre leurs épaules, et de minces filets de bulles s'échappaient régulièrement d'entre leurs lèvres. Harry se précipita vers les prisonniers. Il s'attendait à voir les êtres de l'eau foncer sur lui en brandissant leurs lances, mais ils ne firent pas un geste. Les prisonniers étaient attachés avec des grosses cordes, solides et visqueuses, constituées d'herbes aquatiques entremêlées. Pendant une fraction de seconde, Harry pensa au couteau de poche que Sirius lui avait offert pour Noël et qu'il avait soigneusement rangé dans sa valise dans le dortoir des Gryffondor. Il regarda autour de lui. Pour la plupart, les êtres de l'eau qui l'entouraient étaient armés de lances. Il nagea rapidement vers une sorte de triton de plus de 2 mètres de haut, portait une longue barre verte et un étroit collier de dents de requin, et s'efforça de lui demander par geste s'il voulait bien lui prêter sa lance. Mais le triton éclata de rire en hochant vigoureusement la tête. « Non, nous n'aidons personne, » dit-il d'une voix rauque et dure. « Allez, vite !» dit Harry d'un air féroce.
mais seules des bulles sortaient de sa bouche. Il essaya de le lui arracher, mais le triton dégagea son arme d'un coup sec et continua de rire et de hocher la tête. Harry tourna sur lui-même, jetant des regards partout à la recherche d'un objet tranchant, n'importe lequel. Des pierres jonchaient le fond du lac. Il plongea en ramassant une qui lui paraissait particulièrement acérée et retourna devant la statue. Il entreprit de trancher la corde qui attachait Ron et, après plusieurs minutes d'efforts acharnés, parvint enfin à la sectionner. Ron, inconscient, flotta dans l'eau à quelques centimètres au-dessus du fond, dérivant légèrement au gré des mouvements de l'eau. Harry regarda dans toutes les directions, mais il n'y avait aucun signe des autres champions. Que fabriquait-il? Qu'attendait-il pour se précipiter au secours des prisonniers? Il se retourna vers Hermione, leva la pierre tranchante et s'attaqua également à ses liens. Mais aussitôt, des mains solides à la peau grise le se saisirent de lui et le tirèrent en arrière. Une demi-douzaine d'êtres de l'eau l'éloignèrent ainsi d'Hermione, hochant leur tête aux cheveux verts et riant aux éclats. « Tu prends ton propre prisonnier, » dit l'un d'eux, « et tu laisses les autres ?»« Certainement pas. » Les gars, et avec fureur, mais seules deux grosses bulles sortirent de sa bouche. « Tu as pour mission de délivrer ton ami. Les autres, tu les laisses. »« Elle aussi, c'est mon amie, » s'écria Harry, en faisant de grands gestes verts. Une énorme bulle d'argent s'échappa d'entre ses lèvres. « Et elle non plus, je ne veux pas qu'elle meure. » La tête de Cho reposait sur l'épaule d'Hermione. La petite fille aux cheveux d'argent était une pâleur fantomatique. Harry se débattit pour essayer de se dégager, mais les êtres de l'eau resserrèrent leur étreinte en riant plus fort que jamais. Harry jeta des regards frénétiques autour de lui. Mais où étaient donc les autres champions? Aurait-il le temps de ramener Ron à la surface et de revenir délivrer Hermione et les autres? Parviendrait-il à les retrouver? Il regarda sa montre pour voir combien de temps il lui restait. Elle était arrêtée. Soudain, les êtres de l'eau pointèrent le doigt au-dessus de lui, l'air surexcité. Harry leva les yeux et vit Cédric qui nageait vers eux. Il avait autour de la tête une énorme bulle qui élargissait étrangement son visage en déformant ses traits. « Me suis perdu. » Aucun son n'était sorti de sa bouche, mais Harry avait lu sur ses lèvres. Cédric avait l'air paniqué. Fleur et Crum arrivent. Harry éprouva un immense soulagement. Il regarda Cédric sortir un couteau de sa poche, trancher la corde qui retenait Cho prisonnière, puis l'emmener et disparaître dans l'obscurité du lac. Où étaient Fleur et Crum? Il ne restait pas beaucoup de temps, et si l'on en croyait les paroles de la chanson, au bout d'une heure, les prisonniers seraient perdus. Brusquement, les êtres de l'eau se mirent à pousser des cris perçants. Ceux qui tenaient Harry relâchèrent leur étreinte en regardant au-dessus de leur épaule. Harry se retourna et vit une créature monstrueuse foncer droit sur eux. Elle avait un corps humain vêtu d'un maillot de bain et une tête de requin. C'était Crum. Apparemment, il avait essayé de se métamorphoser, mais n'avait pas très bien réussi. L'homme requin nagea droit sur Hermione et commença à ronger la corde qui l'arrachait à la statue. Mais les nouvelles dents de Crum n'étaient pas très pratiques pour mordre quelque chose de plus petit qu'un dauphin, et Harry se demanda s'il n'allait pas finir par couper Hermione en deux. Se précipitant vers eux, il donna un grand coup sur l'épaule de Crum et lui tendit la pierre tranchante. Crum la saisit et entreprit de sectionner la corde. Il y parvint en quelques secondes, attrapa Hermione par la taille et, sans un regard en arrière, la remonta rapidement en direction de la surface. Et maintenant, pensa Harry désespéré. S'il avait été sûr que Fleur arrivait, mais toujours aucun signe d'elle, il fallait faire quelque chose. Il ramassa la pierre que Crum avait laissée tomber, mais les êtres de l'eau s'avancèrent vers lui et entourèrent Hermione et la fillette en hochant la tête. Harry prendit sa baguette magique, fichit le camp. Cette fois encore, il ne sortit que des bulles de sa bouche, mais il eut la très nette impression que les êtres de l'eau l'avaient compris, et ils cessèrent soudain de rire. Leurs yeux jaunâtres fixés sur la baguette de Harry, ils semblaient avoir peur.
Ils étaient sans nul doute beaucoup plus nombreux que lui, mais Harry devinait, d'après l'expression de leur visage, qu'ils ne savaient pas plus en matière de magie que le calamar géant. « Je compte jusqu'à trois !» cria Harry. Une longue traînée de bulles sortit de sa bouche et il leur montra les doigts, leurs trois doigts, pour être bien sûr de bien se faire comprendre. Un, il baissa un doigt. Deux, il baissa un deuxième doigt. Les êtres de l'eau s'éloignèrent aussitôt, libérant le passage. Harry se rua en avant et commença à entailler la corde qui attachait la petite fille à la statue. Quelques instants plus tard, il l'avait délivrée. Il saisit la fillette par la taille, attrapa Ron par le col de sa robe et s'élança vers la surface en donnant de grands coups de pied au fond du lac pour prendre son élan. Sa progression fut très lente, ses mains palmées, occupées à tenir Ron et la fillette, ne lui était plus d'aucun secours et il agitait frénétiquement les pieds pour essayer de remonter le plus vite possible. Mais le poids de Ron et de la sœur de Fleur l'attiraient vers le fond. Il leva les yeux avec espoir. Hélas, l'obscurité qui régnait autour de lui ne pouvait laisser aucun doute. Il était encore très loin de la surface. Les êtres de l'eau l'accompagnaient dans sa remontée. Ils le voyaient tournoyer autour de lui avec aisance et le regardaient se débattre. Allait-il le ramener au fond du lac lorsque le temps serait écoulé? Peut-être mangeait-il les humains? Harry sentait ses jambes s'alourdir avant de tenir à bout de bras Ron et la fillette. Ses épaules commençaient à lui faire terriblement mal. Il avait les plus grandes difficultés à respirer, se sentait à nouveau une douleur de chaque côté du cou. Le flux de l'eau qui coulait dans sa bouche lui semblait de plus en plus perceptible. Mais l'obscurité se dissipait nettement. Il voyait même la lumière du jour au-dessus de lui. Il agita ses nageoires et s'aperçut qu'elles étaient redevenues de simples pieds. L'eau qui s'engouffrait dans sa bouche descendait à présent dans ses poumons. Il commençait à avoir le tournis, mais il savait que l'air et la lumière n'étaient plus qu'à 3 mètres au-dessus de sa tête. Il fallait arriver jusque-là. Il le fallait. Harry remua les jambes si vite et avec tant de force qu'il eut l'impression que ses muscles poussaient des cris de protestation. Son cerveau lui-même paraissait flotter dans l'eau. Il n'arrivait plus à respirer. Il avait besoin à tout prix d'oxygène. Il fallait continuer, surtout ne pas s'arrêter. Tout à coup, il sentit sa tête émerger à la surface de l'eau. De l'air, un air frais, lumineux, délectable, qui lui picotait le visage. Il en inspira avidement une longue bouffée, comme si c'était la première fois de sa vie qu'il respirait vraiment. Puis, hors d'haleine, il hissa Ron et la fillette à la surface. Tout autour de lui, des têtes aux cheveux verts émergèrent à leur tour, mais cette fois, les êtres de l'eau lui souriaient. Un grand tumulte s'élevait des tribunes. Les spectateurs s'étaient levés. Ils criaient, hurlaient, comme s'ils avaient peur que Ron et la fillette soient morts. Ils avaient tort. Tout devenait d'ouvrir les yeux. La petite fille, apeurée, avait l'air de se demander ce qu'elle faisait là. Mais Ron, lui, cracha un long jet d'eau, clignant des yeux, et dit à Harry, « Un peu humide par ici. » Puis, voyant la sœur de Fleur, il ajouta, « Pourquoi tu l'as ramenée ?» Fleur n'arrivait pas, expliqua Harry. La respiration haletante, je ne pouvais pas la laisser. « Harry, quel idiot tu fais !» s'exclama Ron. « Tu n'as quand même pas pris cette chanson, sérieux. Dumbledore ne nous aurait pas laissé mourir au fond de l'eau. » Mais la chanson disait, « C'était simplement pour vous obliger à revenir dans un délai d'une heure. J'espère que tu n'as pas perdu du temps là-dessous à jouer le héros. » Harry se sentit à la fois stupide et agacé. Pour Ron, c'était facile, il était endormi. Il n'avait pas eu à explorer les fonds terrifiants du lac, entouré de l'eau, d'êtres de l'eau, armés de lances et visiblement décidés à s'en servir. « Tu ferais mieux de m'aider à la sortir de là, » dit Harry en montrant un signe de tête. « La sœur de Fleur, elle n'a pas l'air de très bien savoir nager. » Ils ramenèrent la fillette vers la rive, où les juges les attendaient. Une vingtaine d'êtres de l'eau les accompagnaient comme une garde d'honneur en chantant d'une voix criarde leur horrible chanson. Harry vit Madame Pomfrèche s'avérer autour d'Hermione, Crum, Cédric et Cho, tous quatre enveloppés dans d'épaisses couvertures. Dumbledore et Ludo Verpé, de bout à côte, souriaient à Harry et Ron qui se rapprochaient de la rive. Mais Percy, qui semblait très pâle,
cheval et soudain plus juvénile qu'à l'ordinaire, se précipita à leur rencontre en pataugeant dans l'eau. Pendant ce temps, Madame Maxime essayait de retenir Fleur de la Cour, prise d'une véritable crise de nerfs qui se débattait comme une diablesse pour retourner dans l'eau. Gabrielle, Gabrielle, elle est vivante. Est-elle blessée? Enfin, c'est insensé, lâchez-moi. Elle va très bien, essaya de crier Harry. Mais il était tellement épuisé qu'il parvint à peine à parler, encore moins à crier. Percy attrapa Ron par les épaules et le traîna jusqu'à la rive. Fiche-moi la paix, Percy, ça va très bien. Dumbledore et Verpet aidèrent Harry à se relever et Fleur, qui avait réussi à se dégager de Madame Maxime, se précipita sur sa sœur pour la serrer dans ses bras. C'est à cause des strangulots. Ces bestioles sont insensées. Elles m'ont attaqué. Oh, Gabriel, j'ai cru que... Viens ici, toi, dit la voix de Madame Pomfraîche. Elle prit Harry par le bras et l'emmena auprès d'Hermione et des autres. Elle l'enveloppa alors dans une couverture en serrant si fort qu'il eut l'impression de se retrouver dans une camisole de force. Puis, elle l'obligea à avaler une potion incroyablement pimentée qui lui fait sortir de la vapeur par les oreilles. Harry, bras, s'écria Hermione, tu y es arrivé. Tu as trouvé le moyen tout seul. Ah, dit Harry. Il aurait voulu lui raconter ce qu'avait fait Dobby, mais il venait de s'apercevoir que Karkaroff les observait. C'était le seul juge qui n'avait pas quitté sa table. Le seul juge qui n'avait manifesté aucun signe de joie ou de soulagement en voyant que Harry, Ron et la sœur de Fleur étaient sortis du lot sains et saufs. Oui, c'est ça, j'ai fini par trouver, reprit Harry, en élevant légèrement la voix pour que Karkaroff puisse l'entendre. Tu as un scarabée dans les cheveux, Hermione, dit Crum. Harry eut l'impression qu'il voulait attirer l'attention d'Hermione sur lui seul, peut-être pour lui rappeler qu'il venait de la sauver, mais Hermione se contenta de chasser le scarabée d'un geste impatient et dit à Harry, l'ennui, c'est que tu as dépassé la limite de temps. Tu as eu tant de mal à nous trouver. Non, je vous ai trouvé assez facilement. Harry se sentait un peu plus stupide. À présent qu'il était sorti de l'eau, il semblait parfaitement évident que Dumbledore avait pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer qu'aucun prisonnier ne risquait de se noyer, même si son champion ne parvenait pas à le délivrer. Pourquoi ne s'était-il pas contenté de ramener Ron? Il aurait été promis à revenir. Cédric et Crum, eux, n'avaient pas perdu de temps à se soucier des autres. Ils n'avaient pas pris au sérieux la chanson des êtres de l'eau. Dumbledore, accroupi sur le rivage, était en grande conversation avec ce qui paraissait être le chef des êtres de l'eau, une sirène à l'aspect particulièrement sauvage et féroce. Dumbledore émettait les mêmes cris perçants que les êtres de l'eau lorsqu'ils s'exprimaient à l'air libre. De toute évidence, il parlait la langue aquatique. Enfin, il se releva, se tourna vers les autres juges et dit « Je demande une réunion du jury avant de donner les notes. » Les juges se rassemblèrent aussitôt, à l'écart des oreilles indiscrètes. Entre-temps, Madame Pomfraîche avait arraché Ron aux mains de Percy. Elle le ramena auprès de Harry et des autres. Lui donna une couverture et de la pimentine, puis alla chercher Fleur et sa sœur. Fleur avait de nombreuses égorgures au visage et aux bras, et sa robe était déchirée, mais elle ne semblait pas s'en soucier, et refusa de laisser Madame Pomfraîche lui administrer des soins. « Occupez-vous plutôt de Gabriel, lui dit-elle. » Puis, se tournant vers Harry, la respiration haletante, elle ajouta. « Tu l'as sauvé, et pourtant, ce n'était pas elle que tu devais délivrer. »« Ouais, Tia, qui regrette de ne pas laisser les trois filles attachées à la statue. » Fleur se pencha, embrassant Harry sur chaque joue. Il sentit son visage s'embraser, et n'aurait pas été plus surpris que de la vapeur lui sorte à nouveau des oreilles. Puis, dit à Ron. Toi aussi, tu as aidé. Oui, répondit Ron, le regard plein d'espoir. Oui, un peu. Elle se pencha également vers lui. Elle l'embrassa à son tour. Hermione avait l'air furieux, mais au même moment, la magiquement amplifiée, de Ludo Verpet résonna derrière. Et les fissures sautaient. Dans les tribunes, la foule se tut aussitôt. Mesdames et messieurs, nous venons de prendre une décision. La sirène, Murcus, chef des êtres de l'eau, nous
nous a fait le compte rendu détaillé de ce qu'il s'est passé au fond du lac. Et en conséquence, voici les notes sur 50 que nous avons décidé d'accorder à chacun des champions. Miss Fleur de la Cour, bien qu'elle ait fait un excellent usage du sortilège de Tétambule, a été attaquée par des strangulots en approchant du but et n'a pas réussi à délivrer sa prisonnière. Nous lui accordons 25 points. Des applaudissements s'élevèrent dans les tribunes. C'est insensé, je mérite zéro, dit Fleur d'une voix rauque, en hochant la tête aux cheveux sa tête aux cheveux magnifiques. Monsieur Cédric Diégory, qui a également fait usage du sortilège de Tétambule, a été le premier à revenir avec sa prisonnière, bien qu'il ait dépassé de 1 minute le temps imparti. Un tonnerre d'acclamations retentit dans les rangs de Pouf-Souffle, et Harry Vitcho lançait à Cédric un regard brillant. Nous lui accordons par conséquent 47 points. Harry eut un pincement au cœur. Si Cédric avait dépassé la limite de temps, c'était encore pire pour lui. Monsieur Victor Krum, reprit Ludo Verbet, a eu recours à une forme incomplète de métamorphose, qui s'est quand même révélée efficace, puisqu'il a été le deuxième à ramener sa prisonnière. Nous lui accordons 40 points. L'air très supérieur, Karkaroff applaudit de toutes ses forces. Monsieur Harry Potter a utilisé d'une manière très judicieuse les propriétés de la branchivore, poursuivit Verbet. Il est revenu le dernier, et bien après la limite de temps. Toutefois, la sirène Murcus nous a informé que Monsieur Potter a été le premier à arriver auprès des prisonniers, et que son retard est dû à la détermination qu'il a manifestée à ramener tous les prisonniers. Pas seulement le sien. Ron et Hermione jetèrent un regard où se mêlent exaspération et commisération. La plupart des juges et Ludo Verbet lança alors à Karkaroff un coup d'œil féroce. Parce que cette attitude démontre une grande force morale et aurait mérité la note maximale. Il obtient cependant 45 points. Harry sentit son cœur faire un bond. Il était à présent premier ex-aequo avec Cédric. Ron et Hermione, pris au dépourvu, se tournèrent vers A, puis éclatèrent de rire et se mirent à applaudir aussi fort que la foule des spectateurs. Bravo, cria Ron dans le tumulte général. Après tout, tu n'as pas été si idiot que ça. C'était de la force morale, tout simplement. Fleur, elle aussi, applaudissait avec vigueur. Krum, en revanche, n'avait pas l'air content du tout. Il essaya à nouveau d'engager la conversation avec Hermione, mais elle était trop occupée à acclamer Harry pour l'écouter. La troisième et dernière tâche se déroulera le 24 juin, au coucher du soleil, reprit Verbet. Les champions seront informés de la nature de cette tâche, 1 mois exactement avant sa date. Merci à tous du soutien que vous avez manifesté aux champions. C'était terminé, pensa Harry, un peu étourdi, tandis que Madame Pomfraîche rassembler les champions et les prisonniers pour les ramener au château et leur donner des vêtements secs. C'était terminé. Il avait passé l'épreuve. Il n'avait plus rien à se soucier jusqu'au 24 juin. En remontant les marches du château, il décida que, la prochaine fois qu'il irait à Bréolard, il achèterait à Dobby une paire de chaussettes pour chaque jour de l'année. C'est la fin du chapitre 26. Je vais vous lire aussi le chapitre 27 et 28 pour ce soir. Je prends un coup, j'arrive. Chapitre 27, le retour de Batmol. Une des conséquences positives de la deuxième tâche fut de permettre de partager la vedette avec Harry. Tout le monde était avide d'entendre les détails de ce qui s'était passé au fond du lac, et Ron se trouvait aussi sous les feux de la rampe. Harry remarqua que sa version des faits changeait très légèrement chaque fois qu'il la racontait. Au début, il avait dit ce qui semblait être la vérité, son histoire en tout cas, cadrée avec celle d'Hermione. Dumbledore avait rassemblé dans le bureau du professeur McGonagall ceux qui devaient jouer le rôle de prisonniers
et les avait plongés dans un sommeil magique après leur avoir assuré qu'ils ne risquaient rien et qu'ils se réveilleraient dès leur remontée à l'air libre. Une semaine plus tard, cependant, c'est un récit beaucoup plus haletant où il était question d'un kidnapping au cours duquel il avait dû affronter seul une cinquantaine d'êtres de l'eau puissamment armés qui avaient fini par l'emporter au terme d'un rude combat et l'avaient solidement ligoté. Mais j'avais caché ma baguette magique dans ma manche, affirma-t-il à Padmapatil. Elle semblait s'intéresser beaucoup plus à Ron depuis qu'il était au centre de l'attention générale et elle ne manquait jamais une occasion de lui parler chaque fois qu'elle le croisait dans un couloir. J'aurais pu lui donner une raclée quand je le voulais à ces imbéciles aquatiques. Et tu t'y serais pris comment? Tu leur aurais ronflé dessus, dit Hermione d'un ton agacé. Depuis qu'on savait quel était ce qu'il y avait de plus cher au cœur de Victor Crumb, Hermione avait fait l'objet de tant de moqueries que son humeur s'en ressentait. Merci pour le raid. Merci beaucoup. Ça, vous avez pas le son sur le truc. Merci beaucoup, Eve. Comment ça va? Ça s'est bien passé ton stream? T'as pas trop galéré? J'ai vu que t'étais sur Bloodborne. Merci beaucoup pour le raid. Mais ouais, coucou le raid, du coup. Bon, on a un ASMR ici, mais voilà, ils sont ok. Les oreilles de Ron devinrent écarlates. Et à compter de ce jour, il s'en tint à la version du sommeil magique. Bah, repose-toi bien, du coup. Lorsqu'arriva le mois de mars, le temps devint plus sec, mais des vents implacables leur écorchaient le visage et les mains chaque fois qu'ils sortaient dans le parc. Ah oui, le jeu, il a l'air cool. J'ai vu Elodie qui jouait, il a l'air... Stop. J'y jouerai jamais. Ouais. Le courrier était retardé en raison des bourrasques, qui détournaient les hiboux de leur itinéraire. Le hibou que Harry avait envoyé à Sirius pour lui indiquer la date du prochain week-end après Poudlard. Vendredi matin, la moitié de ses plumes retournées. Harry avait à peine détaché de sa patte la réponse de Sirius, qu'il s'envola à nouveau, de peur d'avoir à repartir avec une autre lettre. La lettre de Sirius était presque aussi brève que la précédente. Trouve-moi devant la clôture, au bout de la route de Préolard, après des vies chez Bank. Samedi après-midi, à 2 h, apporte autant de provisions que tu le pourras. Il n'est quand même pas revenu après Préolard, s'exclama Ron, incrédule. On dirait que si, dit Hermione. Mais repose-toi bien, Eve, y a pas de soucis, t'inquiète pas. Dis bisous, merci, c'est gentil. Je n'arrive pas à y croire, murmura Harry d'une voix tendue. S'il se fait attraper... Jusqu'à maintenant, il s'est bien débrouillé, non? Fit remarquer Ron. Et il n'y a plus de détraqueurs pour surveiller le village. Harry replia la lettre et réfléchit. S'il voulait être honnête avec lui-même, il devait reconnaître qu'il était ravi de revoir Sirius. Il se sentit donc d'une humeur beaucoup plus joyeuse qu'à l'ordinaire, lorsqu'il descendit les marches du sous-sol pour assister au dernier cours de l'après-midi. Cours commun de potions. Malfoy, Crabbe et Goyle se trouvaient déjà à l'entrée de la salle en compagnie de Pansy Parkinson et de sa bande de filles de Serpentard. Il ricanait bruyamment en regardant quelque chose que Harry ne pouvait voir. La tête du bulldog surexcité de Pansy se pencha derrière la robuste épaule de Goyle, les yeux fixés sur Harry, Ron et... Les voilà, gloussa-t-elle. Le cercle des Serpentards se brisa et Harry vit Pansy que Pansy tenait un magazine à la main, je veux dire. Sorcière hebdo. La photo animée de la couverture montrait une sorcière aux cheveux bouclés qui souriait de toutes ses dents en pointant sa baguette magique sur un énorme gâteau. « Tiens, Granger, il y a quelque chose qui devrait t'intéresser là-dedans », s'exclama Pansy. Elle jeta le magazine à Hermione qui l'attrapa au vol, l'air surpris. Au même moment, la porte du cachot qui servait de classe s'ouvrit et Rogue fit son entrée. Comme d'habitude, Hermione, Harry et Ron allèrent s'asseoir au fond de la salle. Dès que Rogue eut tourné le dos pour écrire au tableau la liste des ingrédients de la potion du jour, Hermione feuilleta rapidement le magazine sous la table et finit par trouver ce qu'elle cherchait dans les pages centrales. Harry et Ron se penchèrent pour lire par-dessus son épaule. Une photo en couleur de Harry accompagnée
blessure secrète de Harry Potter, le mal-aimé. Merci pour le follow, c'est gentil, merci beaucoup. Ilona, merci beaucoup. C'est sans nul doute un garçon différent des autres, mais qui pourtant ressent comme tous les autres les tourments de l'adolescence, écrit Rita Skeeter. Privé d'amour depuis la disparition tragique de ses parents, Harry Potter pensait avoir trouvé, à 14 ans, une consolation auprès de son ami de cœur, Hermione Granger, issue d'une famille moldue. Et elle aussi, élève au collège Poudlard. Il était loin de se douter qu'il allait bientôt subir un nouveau choc affectif dans une vie déjà marquée par le malheur. Miss Granger, une jeune fille ordinaire mais ambitieuse, semblait éprouver pour les sorciers célèbres une attirance particulière que Harry ne peut satisfaire à lui tout seul. Depuis l'arrivée à Poudlard de Victor Crumb, l'attrapeur de l'équipe de Quidditch de Bulgarie et héros de la dernière Coupe du Monde, Miss Granger paraît s'amuser beaucoup de l'affection que lui portent les deux garçons. Crumb, qui s'est de toute évidence pris de passion pour la tortueuse Miss Granger, l'a déjà invité à lui rendre visite en Bulgarie pendant les prochaines vacances d'été et ne cesse de lui répéter qu'il n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi fort pour une autre fille. Il n'est toutefois pas certain que ce soit le charme discutable de Miss Granger qui ait eu le malheureux un tel pouvoir d'attraction. Elle est vraiment laide, n'hésite pas à affirmer Pansy Parkinson, une jeune fille vive et séduisante, élève de 4e année. Mais elle est très ingénieuse et serait bien capable d'avoir fabriqué un filtre d'amour. Je crois que c'est comme ça qu'elle y arrive. Bien entendu, les filtres d'amour sont interdits à Poudlard, et il ne fait aucun doute qu'Albus Dumbledore s'appliquera à vérifier l'exactitude de ses affirmations. En attendant, les admiratrices de Harry Potter devront espérer qu'à l'avenir, il saura mieux choisir l'élu de son cœur. « Je te l'avais dit, » murmura Ron à Hermione qui contemplait l'article d'un air perplexe. « Je te l'avais dit de ne pas contrarier Rita Skeeter. Maintenant, voilà ce qui arrive. Elle te fait apparaître dans une sorte de... pour une sorte de court cantine. » L'expression de surprise s'effaça du visage d'Hermione et elle réprima un éclat de rire. « De court cantine, » répéta-t-elle, secouée d'un rire silencieux. « C'est comme ça que ma mère les appelle, » marmonna Ron, les oreilles écarlates. « Si c'est tout ce que Rita est capable de faire, ça veut dire qu'elle commence à faiblir, » murmura Hermione, qui continuait à rire sans bruit. Elle jeta l'exemplaire de sorcière hebdo sur une chaise vide à côté d'elle. Complètement idiot tout ça. Elle se tourna vers les serpentards qui les observaient à l'autre bout de la salle, pour si l'article de Rita Skeeter avait produit l'effet escompté, et leur adressa un signe de la main, accompagné d'un sourire sarcastique. Puis, Harry, Ron et elle sortirent de leur sac les ingrédients nécessaires à la fabrication d'une potion déguise-méninge. « Il y a quand même quelque chose de bizarre, » dit Hermione une dizaine de minutes plus tard, son pilon suspendu au-dessus d'un bol rempli de scarabées. Comment Rita Skeeter a-t-elle fait pour savoir ?»« Pour savoir quoi ?» demanda Ron. « Tu n'as quand même pas fabriqué de filtre d'amour, non ?» « Ne dis pas de bêtises, » répliqua sèchement Hermione, en recommençant à piler son scarabée. « Je me demande simplement comment elle a pu savoir que Victor m'avait invité à venir le voir cet été. » Hermione rougit et évita délibérément le regard de Ron. « Quoi ?» dit Ron en lâchant son pilon, qui tomba dans son bol dans un bruit sec. « Il me l'a proposé juste après ma sortie du lac, » marmonna Hermione. Quand il a été débarrassé de sa tête de requin, Madame Pomfraîche nous a donné des couvertures à tous les deux, et là, il m'a entraîné un peu à l'écart et m'a dit que, si je ne faisais rien de spécial l'été prochain, il aimerait bien que... « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ?» demanda Ron. Il avait repris son pilon, mais trop occupé à regarder Hermione, il écrasait consciencieusement sur son bureau, sans s'apercevoir que son bol se trouvait à une bonne quinzaine de centimètres. Et en plus... Il a vraiment dit qu'il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi fort pour une autre fille. Hermione, si écarlate que Harry sentait presque la chaleur émaner de son visage. Mais comment Rita Skeeter a-t-elle pu l'entendre? Elle n'était pas là. Ou alors peut-être qu'elle y était quand même. Peut-être qu'elle a aussi une cape d'invisibilité et qu'elle a réussi à se faufiler dans le parc pour assister à la deuxième tâche. Et qu'est-ce que
entendu ? Répéta Ron en remuant son pilon si fort qu'il fit une marque dans le bois de la table. Oh, j'étais beaucoup trop occupé à regarder si Harry allait enfin sortir du lac pour... Je ne doute pas que votre vie personnelle soit absolument passionnante, Miss Granger, dit une voix glaciale derrière eux. Mais je vous demanderai de ne pas choisir mon cours pour en faire bénéficier vos voisins. 10 points de moins à Gryffondor. Rock s'était glissé jusqu'à leur table pendant qu'ils bavardaient, et toute la classe avait à présent les yeux fixés sur eux. Malfoy profita de l'occasion pour faire étinceler son badge à bas Potter en direction de Harry. Ah, tiens, vous lisez des magazines en cachette maintenant, ajouta Rock en prenant l'exemplaire de Sorcière Hebdo. 10 autres points de moins à Gryffondor. Oh, mais bien sûr. Les petits yeux noirs de Rock étincelèrent lorsqu'il tomba sur l'article de Rita Skeeter. Je comprends. Potter doit mettre à jour son dossier de presse. Les rires des serpentins résonnèrent dans le cachot et le sourire mauvais retroussa ses lèvres minces de Rogue. À la grande fureur de Harry, il commença à lire l'article à haute voix. La blessure secrète de Harry Potter, le mal-aimé. Eh bien, Potter, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est sans nul doute un garçon différent des autres. Harry avait les joues brûlantes. Rogue marquait une pause à la fin de chaque phrase pour laisser le temps au serpentard d'éclater d'un grand rire. Lu à haute voix par Rogue, l'article paraissait 10 fois pire. Les admiratrices de Harry Potter devront espérer qu'à l'avenir, il saura mieux choisir l'élu de son cœur. Voilà qui est très émouvant, dit-il, en refermant le magazine dans l'hilarité générale des serpentards. Je crois que je ferais bien de vous séparer tous les trois pour que vous puissiez vous concentrer sur vos potions plutôt que sur la complexité de votre vie sentimentale. Weasley, vous restez ici. Miss Granger, vous allez là-bas, à côté de Miss Parkinson. Et vous, Potter, à la table qui se trouve devant mon bureau. Allez, dépêchez-vous. Furieux, Harry jeta ses ingrédients dans son sac. Harry jeta ses ingrédients et son sac dans son chaudron, qu'il traîna jusqu'à la table libre au premier rang. Rogue le suivit, s'assit à son bureau et le regarda vider son chaudron. Bien décidé à ne pas lever les yeux vers lui, Harry recommençait à piler ses scarabées en imaginant que chacun d'eux avait le visage de Rogue. L'attention de la presse semble avoir fait enfler votre tête, qui déjà était très volumineuse, Potter, dit Rogue à voix basse lorsque le reste de la classe se fut remis au travail. Harry ne répondit pas. Il savait que Rogue essayait de le provoquer. C'était son habitude. Il cherchait un prétexte pour pouvoir retirer 50 points à Gryffondor avant la fin du cours. Vous faites tous les efforts possibles pour vous donner l'illusion que le monde de la sorcellerie a les yeux tournés vers vous, poursuivit Rogue, en parlant si bas que personne d'autre ne pouvait l'entendre. Harry continuait à piler ses scarabées, bien qu'il eût déjà réduit en une poudre très fine. Mais peu m'importe combien de fois votre photo apparaîtra dans la presse, pour moi, Potter, vous ne serez jamais qu'un petit voyou qui se croit au-dessus des règlements. Harry versa la poudre de scarabée dans son chaudron et commença à couper les racines de gingembre. La colère faisait légèrement trembler ses mains, mais il gardait les yeux baissés, comme s'il n'entendait pas ce que lui disait Rogue. Alors je vertis loyalement, Potter, poursuivit Rogue, d'une voix encore plus basse et menaçante. Malgré votre célébrité de pacotille, si jamais je vous reprends à fouiller mon bureau. Je ne me suis jamais approché de votre bureau, répliqua Harry avec colère, oubliant soudain son prétexte, sa prétendue surdité. Ne mentez pas, siffla Rogue, ses yeux noirs, insondables, vrillant ceux de Harry. Peau de serpent d'arbre, branchiflore, ces deux ingrédients proviennent de mon armoire personnelle et je sais très bien qui me les a volés. Harry soutint le regard de Rogue, décidé à ne pas scier et à ne pas se laisser apparaître sur son visage la moindre trace de culpabilité. Il n'avait volé aucun de ces deux ingrédients, c'était la vérité. Hermione avait pris de la peau de serpent d'arbre 2 ans auparavant. Il en avait eu besoin pour préparer du polynectar. Et bien que Rogue eût soupçonné Harry à l'époque, il n'avait jamais pu apporter la moindre preuve. Quant à la branchiflore,
C'était bien évidemment Dobby qui l'avait volé. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit Harry d'un ton glacial. Je nettoie la pile de tatou qui s'est renversée, professeur, répondit Harry d'un ton innocent.
Il se redressa et montra à Rogue le chiffon humide qu'il tenait à la main. Karkarov tourna les talons et sortit du cachot, l'air à la fois inquiet et furieux. Petit sirop de rester seul en compagnie d'un Rogue particulièrement énervé, Harry jeta pêle-mêle ses livres et ses ingrédients dans son sac et fila raconter à Ron et Hermione ce qu'il venait. En rongeant l'os de poulet à la manière d'un molosse affamé.
Ne t'inquiète pas pour moi. Je fais semblant d'être gentil, un gentil chien errant. Il sourit toujours, mais voyant l'expression anxieuse de Harry, il reprend plus sérieux. Je tiens à être sur place. Ta dernière lettre, enfin disons, que les choses semblent de plus en plus louches. J'ai volé la gazette chaque fois que je voyais quelqu'un la jeter. Et apparemment, je ne suis pas le seul à m'inquiéter. Il montra d'un signe de tête les numéros jaunis de la gazette du sorcier qu'il avait jeté par terre. Ron les ramassa et commença à les lire. Et si quelqu'un te voit, et si tu te fais prendre, dit Harry. Vous êtes les seuls avec Dumbledore à savoir que je suis un animagus, répondit Sirius en continuant de dévorer ses cuisses de poulet. Ron donna un coup de coude à Harry et lui tendit le numéro de la gazette du sorcier. Il y en avait deux. Le premier avait pour titre « La mystérieuse maladie de Barthémius Crompton ». À la une du deuxième, on pouvait lire « La sorcière du ministère reste introuvable. Le ministre de la magie, personnellement impliqué. » Harry parcourut l'article sur Crompton. Des morceaux de phrases lui sautèrent aux yeux. N'a pas été vu en public depuis le mois de novembre. La maison paraît déserte. L'hôpital Saint-Mangouste pour les maladies et blessures magiques s'est abstenu de tout commentaire. Le ministère refuse de confirmer les rumeurs de maladies graves. Quand on lit ça, on a l'impression qu'il est en train de mourir, dit Harry. Mais il ne doit pas être aussi malade que ça, s'il a été capable de venir jusqu'ici. Mon frère est l'assistant de M. Crompton, dit Ron à Sirius. D'après lui, Crompton souffre de surmenage. En tout cas, il avait vraiment l'air malade quand je l'ai vu de près le soir où mon nom est sorti de la coupe, déclara Harry, qui continuait de lire l'article. Il a eu ce qu'il méritait pour avoir envoyé Winky, non, dit froidement Hermione. Elle caressait Puck, qui croquait les os de poulet laissés par Sirius. Je suis sûr qu'il le regrette. Il doit sentir la différence maintenant qu'elle n'est plus là pour s'occuper de lui. Hermione est obsédée par les elfes de maison, murmura Ron à Sirius. Mais Sirius semblait intéressé par la nouvelle. Croupton a renvoyé son elfe. Oui, le jour de la Coupe du Monde de Quidditch, dit Harry. Il s'en lança alors dans le récit de ce qui s'était passé ce soir-là. L'apparition de la marque des ténèbres, Winky, qu'on avait trouvé en possession de la baguette de Harry. La fureur de M. Crompton. Lorsque Harry eut terminé, Sirius s'était relevé et s'était mis à faire les 100 pas dans la caverne. Résumons-nous, dit-il d'un coup au bout d'un moment en brandissant une nouvelle cuisse de poulet. D'abord, vous avez vu l'elfe dans les tribunes officielles. Elle gardait une place pour M. Crompton, d'accord? C'est ça, dirent Harry, Ron et Hermione d'une même voix. Assister au match, non, répondit Harry. Il a dit qu'il avait trop de travail. Sirius fit le tour de la caverne en silence, puis il demanda. Harry, est-ce que tu as vérifié si ta baguette était toujours dans ta poche quand tu as quitté la tribune? Harry réfléchit longuement. Non, dit-il enfin. Je n'en ai pas eu besoin de m'en servir avant d'être arrivé dans la forêt. À ce moment-là, j'ai mis ma main dans ma poche et je n'y ai trouvé que mes multiplettes. Harry regarda Sirius d'un air interrogateur. Tu veux dire que celui qui a fait apparaître la marque des ténèbres m'aurait volé ma baguette quand j'étais encore dans les tribunes? C'est possible, répondit Sirius. Oui, qui n'a pas volé cette baguette? S'exclama Hermione d'une voix perçante. L'elfe n'était pas la seule à se trouver dans la loge, dit Sirius, qui continuait de faire les 100 pas, le front plissé. Qui d'autre était assis derrière vous? Plein de gens, dit Harry. Des ministres bulgares, Cornelius Fudge, les Malfoy. Les Malfoy, s'écria Ron, d'une voix si forte qu'elle se répercuta en écho autour de la caverne. Surpris, Buck remua la tête d'un air inquiet. Je suis sûr que c'est Lucius Malfoy qui a pris sa baguette. Il n'y avait personne d'autre, demanda Sirius. Non, répondit Harry. Si. Ludo Verpet était là aussi, lui rappela Hermione. Ah oui. Je ne sais rien de Verpet, sinon qu'il a été batteur dans l'équipe des Frelons de Whitbourne, dit Sirius, en faisant toujours les 100 pas. C'est quel genre?
Il est très bien, assure Harry, et il n'arrête pas de me proposer de m'aider dans le tournoi. Ah bon? S'étonna Sirius en fronçant les sourcils. Et pourquoi donc? Il dit qu'il me trouve sympathique. Sirius, l'air songeur. On l'a vu dans la forêt, juste avant l'apparition de la marque des ténèbres, dit Hermione, vous vous souvenez? Oui, dit Ron, mais il n'est pas resté dans la forêt. C'est quoi cet incident avec les moldus? Il a filé vers le terrain de camping. Comment tu le sais? Répliquait Hermione. Il a transplané, mais on ne sait pas où. Arrête un peu, dit Ron, dans l'air incrédule. Tu ne vas quand même pas prétendre que c'est Ludo Verbet qui a fait apparaître la marque des ténèbres. Il serait plus vraisemblable que ce soit lui. Attends. Il serait plus vraisemblable que ce soit lui plutôt que Winky, dit Hermione d'un air buté. Qu'est-ce que je disais? Lança Ron à Sirius avec un regard éloquent. Elle est complètement obsédée par les elfes. Mais Sirius leva la main pour le faire taire. Quand la marque des ténèbres est apparue et que l'elfe a été découverte avec la baguette de Harry, qu'est-ce qu'a fait Groupe-t-on? Il est allé voir dans les sous-bois, dit Harry, mais il n'y avait personne. Bien sûr, marmonna Sirius en continuant de marcher de long en large. Il aurait préféré mettre ça sur le dos de n'importe qui d'autre que de son elfe, et ensuite il l'a renvoyé. Oui, dit Hermione d'un ton enflammé, il l'a renvoyé simplement parce qu'elle n'était pas restée sous la tente à attendre de se faire piétiner. Hermione, tu vas nous laisser un peu tranquille avec tes histoires d'elfes, s'exclama Ron, mais Sirius hocha la tête. Elle a beaucoup mieux compris que vous qui étiez groupe ton Ron. Si tu veux savoir ce que vaut un homme, regarde donc comment il traite ses inférieurs, pas ses égaux. Il passa une main sur son visage recouvert d'une barbe naissante. De toute évidence, il était plongé dans une profonde réflexion. Toutes ses absences de partie groupe ton, il prend la peine de demander à son elfe de lui garder une place pour la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, mais il ne vient pas regarder le match. Il travaille avec acharnement pour faire le tournoi des trois sorciers, mais il ne vient pas non plus y assister. Ça ne ressemble pas à Groupe-t-on. Si au cours de sa carrière, il a manqué une seule journée de travail pour cause de maladie, je serai prêt à manger Puck. Tu connais Groupe-t-on, s'étonna Harry. Le visage de Sirius s'assombrit. Il lui soudain l'air plus menaçant que le soir où Harry l'avait vu pour la première fois et croyait encore que c'était un assassin. Je le connais même très bien, dit Sirius à voix basse. C'est lui qui a donné l'ordre de m'enfermer à Azkaban sans procès. Quoi ? S'exclamèrent Ron et Hermione d'une même voix. Tu plaisantes, dit Harry. Pas du tout, reprit Sirius en mordant à nouveau dans une cuisse de poulet. À cette époque-là, Groupe-t-on était directeur du département de la justice magique. Vous ne le saviez pas ? Ron et Hermione hochèrent la tête. Prochain ministre de la magie, reprit Sirius. C'est un grand sorcier, partit Groupe-t-on. Il a un grand pouvoir magique, et le pouvoir, il en est avide. Oh, il n'a jamais été partisan de Voldemort, ajouta-t-il en voyant l'expression de Harry. Non, partit Groupe-t-on a toujours été ouvertement hostile à la magie noire. Mais beaucoup de gens qui étaient opposés à la magie noire. Non, vous ne comprendriez pas. Vous êtes trop jeune. C'est ce que mon père a dit à la Coupe du Monde, lança Aaron, avec une pointe d'irritation. Essayez quand même de nous expliquer, on verra bien si on comprend ou pas. Un sourire apparut sur le visage maigre de Sirius. Très bien, je vais essayer. Il parcourut à nouveau la caverne dans toute sa longueur, puis reprit. Imaginez qu'aujourd'hui, Voldemort soit au sommet de sa puissance. Vous ne savez pas qui sont ses partisans. Vous ne savez pas qui travaille pour lui, mais vous savez qu'il est capable d'exécuter son pouvoir sur des gens qui l'obligent à commettre des actes abominables malgré eux. Vous avez peur pour vous, votre famille, vos amis. Chaque semaine apporte son lot de nouvelles morts, de nouvelles disparitions, de nouvelles souffrances. Le ministre de la magie est en plein désarroi. Ses responsables ne savent plus quoi faire. Ils essayent de tout cacher aux moldus, mais dans le même temps, les moldus meurent aussi. La terreur règne partout, la panique, la confusion. C'était comme ça à l'époque. Des périodes comme celle-là peuvent inciter les uns au meilleur et d'autres au pire. Les principes de Groupe-t-on étaient peut-être très bons au début, je n'en sais rien. Son ascension
au sein du ministère a été très rapide et il a tout de suite pris des mesures radicales contre les partisans de Voldemort. Les Aurores ont reçu de nouveaux pouvoirs, celui de tuer plutôt que de capturer vivant par exemple. Et je n'ai pas été le seul à être livré aux détraqueurs sans procès. Groupe-t-on a combattu la violence par la violence et a autorisé contre certains suspects l'usage des sortilèges impardonnables. Je dirais même qu'il est devenu aussi implacable, aussi cruel que de nombreux sorciers qui avaient choisi les forces du mal. Lui aussi avait des partisans. Beaucoup pensaient que c'était la bonne méthode et il s'est trouvé de plus en plus de sorciers et de sorcières pour le pousser à devenir ministre de la magie. Lorsque Voldemort a disparu, tout le monde pensait que Groupe-t-on ne tarderait pas à décrocher le poste suprême. Mais il s'est alors passé un événement assez malheureux. Le propre fils, Sirius eut un sourire sinistre. Le propre fils de Groupe-t-on a été arrêté en compagnie d'un groupe de mange-morts qui avait réussi à convaincre leur juge de ne pas les envoyer à Azkaban. Apparemment, ils essayaient de retrouver Voldemort pour le ramener. De Groupe-t-on a été souffle coupé, dit Sirius en jetant son os de poulet à Buck. Il s'assit à nouveau et s'attaqua cette fois à la miche de pain qui le rompit en deux. Un sale choc pour ce vieux parti, j'imagine. Il aurait peut-être dû passer un peu plus de temps à s'occuper de sa famille. Il aurait mieux fait de quitter son bureau un peu plus tôt de temps en temps. Ça lui aurait permis de connaître son propre fils. Il se mit à engloutir deux gros morceaux de pain. Son fils était vraiment un mange-mort, demanda Harry. Aucune idée, répondit Sirius, la bouche pleine. J'étais moi-même à Azkaban quand il est terminé. Je n'ai appris la plupart des choses que je vous raconte qu'après ma sortie de prison. Ce qui est certain, c'est que le fils Groupe-t-on a été pris en compagnie de gens dont je suis sûr et certain qu'ils étaient des mange-morts. Mais peut-être qu'il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, comme l'aime de son père. Est-ce que Groupe-t-on a essayé de le faire sortir son fils de prison? Murmura Hermione. Sirius eut un éclat de rire qui ressemblait plutôt à un aboiement. Groupe-t-on, faire sortir son fils de prison. Hermione, je croyais que tu avais compris qui était Groupe-t-on. Tout ce qui pouvait menacer de tenir sa réputation devait disparaître, et il consacrait sa vie entière à son unique ambition, devenir ministre de la magie. Tu l'as vu renvoyer une elfe de maison, qui lui était entièrement dévouée, simplement parce qu'à cause d'elle, on risque de l'associer à nouveau à la marque des ténèbres. Ça suffit à montrer qui il est, non? L'affection paternelle de Groupe-t-on l'a tout juste conduit à assurer un procès à son fils. Mais en fait, ce n'était qu'une occasion de lui montrer à quel point il haïssait ce garçon. Ensuite, il l'a envoyé droit à Azkaban. Il a livré son propre fils au détraqueur, dit Harry à voix basse. Exactement, répondit Sirius, qui n'avait plus du tout l'air amusé. J'ai vu les détraqueurs l'emmener à Azkaban. Je l'ai vu passer devant la porte de ma cellule. Il ne devait pas avoir plus de 19 ans. Ils l'ont enfermé dans une cellule voisine de la mienne. Lorsque la nuit est tombée, il a hurlé en appelant sa mère. Mais au bout de quelques jours, il s'est tu. Tout le monde finissait par se taire, sauf ceux qui hurlaient dans leur sommeil. Le regard de Sirius s'assombrit, comme si un voile était soudain descendu devant ses yeux. « Il est toujours à Azkaban ?» demanda Harry. « Non, » répondit Sirius d'une voix éteinte. « Non, il n'y est plus. Il est mort. Il y a environ un an. Il est mort un an. » Son incarcération. Il est mort. Ouais, il était le seul à mourir, dit Sirius avec amertume. La plupart des prisonniers deviennent fous, et beaucoup finissent par ne plus rien manger. Ils perdent la volonté de vivre. On le savait toujours quand quelqu'un allait mourir. Les détraqueurs le sentaient, et ils étaient de plus en plus excités. Ce garçon avait l'air malade quand il est arrivé. Étant donné la position importante que Groupe-t-on dans la hiérarchie du ministère, lui et sa femme ont été autorisés à lui rendre une ultime visite sur son lit de mort. C'est la dernière fois que j'ai vu partir Groupe-t-on. Quand il est passé devant ma cellule, sa femme était tellement effondrée qu'il était obligé de la porter à moitié. Elle-même est morte peu après, de chagrin. Elle a dépéri comme son fils. Groupe-t-on n'est jamais venu demander le corps de son fils. Les
Les détraqueurs l'ont enterré devant la forteresse. Je les ai vus creuser la tombe. Sirius posa le morceau de pain qu'il venait de porter à sa bouche et vit d'un trait la flasque de jus de citrouille. Ainsi, tout s'est effondré pour le vieux Croupton au moment même où il croyait avoir réussi. Reprit-il en s'essuyant les lèvres d'un demain. Le héros au poste de ministre perdait d'un coup son fils et sa femme, l'honneur de sa famille et d'après ce que j'ai entendu dire depuis mon évasion, sa popularité. En apprenant sa mort, les gens ont commencé à éprouver de la sympathie pour le fils de Croupton et se sont demandé comment un garçon si jeune, issu d'une bonne famille, avait pu s'écarter à ce point du droit chemin. Ils ont fini par conclure que le vrai responsable était son père et qu'il ne l'avait jamais beaucoup aimé. Et c'est comme ça que le poste de ministre est revenu à Cornelius Fudge, tandis que Croupton était envoyé au département de coopération magique internationale. Il eut un long silence. Harry repensa aux yeux exorbités de Croupton lorsqu'il s'était déchaîné contre son elfe le jour de la Coupe du Monde. C'était donc pour cela qu'il avait réagi avec autant de violence lorsque Winky avait été découverte sous la marque des ténèbres. L'incident avait ravivé le souvenir de son fils, du scandale et de la disgrâce. Maugrey soutint que Croupton est obsédé par la capture de mages noirs, dit Harry à Sirius. Oui, j'ai entendu dire qu'il s'était devenu une manie chez lui, répondit Sirius. À mon avis, il pense pouvoir retrouver son ancien prestige en arrêtant un nouveau mange-mort. Et il est venu ici en cachette spécialement pour qu'il y ait le bureau de Rogue, dit Ron d'un air triomphant. En se tournant vers Hermione. Oui, et tout ça n'a rigoureusement aucun sens, dit Sirius. Bien sûr que si, répliqua Ron avec fougue, mais Sirius fit non de la tête. Écoute-moi bien, si Croupton voulait enquêter sur Rogue, pourquoi n'a-t-il pas occupé sa place de juge pendant le tournoi? Il aurait eu un prétexte idéal pour venir régulièrement à Poudlard et le surveiller de près. Alors, tu crois que Rogue mijote quelque chose? Demanda Harry. Hermione l'interrompit. Tu peux dire ce que tu veux. Il n'empêche que Dumbledore fait confiance à Rogue. Laisse tomber Hermione, dit Ron d'un ton agacé. Je sais que Dumbledore est très intelligent et tout ce que tu voudras. Mais ça ne veut pas dire qu'un mage noir, vraiment habile, ne puisse pas le tromper. Attends, je reviens. Dans ce cas, pourquoi est-ce que Rogue aurait sauvé la vie de Harry quand on était en première année? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas laissé mourir tout simplement? Je sais pas, peut-être qu'il a peur de Dumbledore le renvoie. Qu'est-ce que tu en penses, Sirius? Demanda Harry d'une voix plus forte pour que Ron et Hermione arrêtent de se disputer. Je crois qu'ils ont raison tous les deux, répondit Sirius en regardant Ron et Hermione d'un air songeur. Depuis que j'ai appris que Rogue était professeur ici, je me suis demandé pourquoi Dumbledore l'avait engagé. Rogue a toujours été fasciné par la magie noire. Il était réputé pour ça quand il faisait ses études. Un type répugnant, avec un air doucereux et des cheveux gras. Harry et Ron échangèrent un sourire. Quand il est arrivé à l'école, Rogue connaissait plus de sortilèges que les élèves de septième année et il faisait partie d'une bande de serpentards qui sont presque tous devenus des mange-morts. Sirius cita les noms en comptant sur ses doigts. Rosier et Wilkes. Ils ont tous deux été tués par des aurores un an avant la chute de Voldemort. Les Lestrange, c'est un couple marié, sont à Azkaban. Avery, d'après ce que j'ai entendu dire, il est parvenu à s'en tirer en prétendant qu'il avait agi sous le sortilège de l'Imperium, et il est toujours en liberté. Mais autant que je le sache, Rogue n'a jamais été accusé d'être un mange-mort. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été pris. Et Rogue est sans aucun doute suffisamment rusé pour avoir réussi à échapper aux soupçons. Rogue connaît très bien Karkaroff, mais il préfère qu'on ne le sache pas, dit Ron. Oui,
aurais dû voir la tête de Rock quand Karkaroff est arrivé en cours de potion hier, dit Harry. Karkaroff voulait parler à Rock et lui reprochait de tout faire pour l'éviter. Karkaroff avait l'air vraiment inquiet. Il a montré à Rock quelque chose qu'il avait sur le bras, mais je n'ai pas vu ce que c'était. Il a montré à Rock quelque chose sur son bras, dit Sirius, qui semblait déconcerté. D'un geste machinal, il passa ses doigts dans ses cheveux sales, puis haussa les épaules. Je ne vois pas ce que ça peut signifier, mais si Karkaroff est vraiment inquiet, c'est qu'il veut et qu'il va demander conseil à Rock. Sirius contempla la paroi de la caverne et fit une grimace. Bien sûr, Dumbledore fait confiance à Rock. Dumbledore fait toujours confiance à des tas de gens dont beaucoup d'autres se méfieraient. Mais je ne peux pas imaginer qu'il ait confié un poste de professeur si jamais Rogue eût été au service de Voldemort. Dans ce cas, pourquoi Maugrey et Grumpton tiennent-ils tant à fouiller son bureau sans Tétaron? Maugrey serait bien capable d'avoir fouillé le bureau de tous les professeurs dès son arrivée à Poudlard, dit lentement Sirius. Il prend très au sérieux son cours de défense contre les forces du mal. Je ne suis pas sûr que lui fasse confiance à qui que ce soit, ce qui n'a rien d'étonnant après tout ce qu'il a vécu. En tout cas, il y a une chose qu'il faut reconnaître à Maugrey, c'est qu'il n'a jamais tué personne quand il pouvait l'éviter. Chaque fois que c'était possible, il ramenait les gens vivants. Il était intraitable, mais il n'a jamais descendu au niveau des manches morts. Coupe-t-on lui, c'est différent. Est-ce qu'il est vraiment malade? Si oui, pourquoi a-t-il fait l'effort de se traîner jusqu'au bureau de Rogue? Et sinon, que fabrique-t-il? Qui est-ce qui a de si important à faire à la Coupe du Monde pour rester absent dans la tribune officielle? Et pourquoi n'est-il pas venu juger le tournoi? Sirius se tut, le regard toujours fixé sur la paroi de la caverne. Buck furetait autour de lui pour voir s'il n'avait pas oublié quelques os de poulet. Enfin, Sirius se tourna vers Ron. Tu dis que ton frère est l'assistant de Groupton. Tu crois que tu pourrais lui demander s'il a vu Groupton récemment? Je peux toujours essayer, répondit Ron d'un air dubitatif. Mais il ne faut pas le laisser entendre que Groupton mijote quelque chose de louche. Percy a une véritable vénération pour lui. Pendant que tu y es, tu pourrais aussi essayer de savoir où ils en sont sur l'enquête de la disparition de Bertha Jorkins, ajouta Sirius en montrant l'un des numéros de la cassette du sorcier. Verbeim a dit qu'il n'avait rien trouvé, répondit Harry. Oui, il est cité dans l'article, dit Sirius. Il raconte partout que Bertha a une très mauvaise mémoire. Peut-être qu'elle a changé depuis que je l'ai connue, mais quand elle était jeune, elle n'était pas du tout étourdie. C'était plutôt l'inverse. Elle était un peu idiote, mais elle avait une excellente mémoire quand il s'agissait de comploter des ragots, ce qui lui a valu pas mal d'ennuis. Elle était incapable de se taire quand il l'aurait fallu. J'imagine qu'elle devait représenter plutôt un handicap pour le ministère de la magie. C'est peut-être pour ça que Verbeim ne se donne pas trop de mal pour la chercher. Sirius poussa un profond soupir et se frotta les yeux. Quelle heure est-il? Harry regarda sa montre puis se rappela qu'elle ne marchait plus depuis son séjour dans l'eau. 3h30, dit Hermione. Vous feriez bien de retourner à l'école, conseilla Sirius en se levant. Et maintenant, écoutez-moi bien. Il regardait particulièrement Harry. Je ne veux pas que vous quittiez le château en cachette pour venir me voir, d'accord? Envoyez-moi des lettres ici, c'est tout. Il faudra continuer à m'informer de tout ce qui vous paraît bizarre. Mais j'insiste, pas question que vous sortiez de Poudlard sans permission. Je serai le meilleur moyen de vous faire attaquer. Jusqu'ici, personne n'a essayé de m'attaquer à part un dragon et quelques stranglots, dit Harry. Sirius le regarda en fronçant les sourcils. Peu importe, je ne serai tranquille que lorsque le tournoi aura pris fin, c'est-à-dire à la fin du mois de juin. Et si jamais vous parlez de moi entre vous, appelez-moi Sniffle, d'accord? Il entendit. Il rendit à Harry la flasque vide et la serviette dans laquelle il avait enveloppé les cuisses de poulet, puis alla donner une petite caresse à Buck. Je vais vous accompagner jusqu'à l'entrée du village pour voir si je peux dénicher un autre journal. Avant de quitter la caverne, il se transforma à nouveau en un gros chien noir, puis il descendit tous les quatre le flanc de la montagne et retournèrent devant la clôture. En guise de revoir, ils caressèrent la tête du chien
qui partit en courant le long du village. Harry, Ron et Hermione traversèrent Briolard en sens inverse et reprirent le chemin du château bas. Je me demande si Percy est au courant de toutes ces histoires sur Groupton, dit Ron. Mais peut-être qu'il s'en fiche, ou peut-être qu'il l'admire justement pour ça. Percy adore les lois et les règlements. Il trouverait sûrement très bien que Groupton ait refusé de violer la loi, même pour son propre fils. Percy ne livrerait jamais quelqu'un de sa famille au détraqueur, dit Hermione d'un ton sévère. Je ne sais pas, répondit Ron, s'il pensait qu'on représentait un obstacle pour sa carrière. Tu sais, il est vraiment très ambitieux. Ils montèrent les marches de pierre qui menaient au hall d'entrée, où de délicieux fumées en provenance de la grande salle annoncèrent que le dîner était servi. Ce pauvre vieux Sniffle, dit Ron, en respirant voluptueusement. Il doit vraiment t'aimer pour faire tout ça, Harry. Tu t'imagines être obligé de manger des rats sur une caverne. Dernier chapitre de la soirée. Ses énormes pupilles se fixèrent sur Harry.
Elle vacilla à nouveau, puis dit: Maître ne vient plus. Non, dire, on ne l'a plus. Depuis la première tâche, d'après la casette du sorcier, il est malade. Wilkie vacilla encore davantage et regarda Harry avec des yeux vitreux. Mon maître, malade. Ses lèvres se mirent à trembler. Mais on n'est pas sûr que ce soit vrai, dit précipitamment Hermione. Mon maître a besoin de ça, Wilkie, gémit l'elfe. Mon maître ne peut pas se débrouiller tout seul. Tu sais, Wilkie, en général, les gens arrivent très bien à s'occuper d'eux-mêmes, tout seuls dans leur maison, dit Hermione d'un air sévère. Wilkie ne s'occupe pas seulement de la maison de Monsieur Croupton, s'indigna Wilkie d'une petite voix perçante. Elle vacilla dangereusement sur son tabouret et renversa de la bière au beurre sur son corsage déjà abondamment taché. Mon maître a, hic, confié à Wilkie, hic, la plus importante, hic, le plus secret. Quoi ? S'exclama Harry. Mais Wilkie hocha vigoureusement la tête en signe de dénégation, et renversa un peu plus de bière au beurre. Wilkie garde les hic, les secrets de mon maître, dit-elle d'un air farouche. Ses yeux louchaient en regardant Harry. Elle se balança de plus en plus et ajouta, les sourcils foncés, « Vous êtes hic, un fouineur. »« Wilkie ne doit pas parler comme ça à Harry Potter !» s'exclama Dobby avec colère. « Harry Potter est un noble et courageux, et ce n'est pas un fouineur. Il veut fouiner hic dans la vie hic, privé de mon et les secrets de mon maître hic. Wilkie est un bon elfe de maison hic. Wilkie ne dit rien hic aux gens qui essayent de hic savoir. » Les paupières de Wilkie s'abaissèrent et soudain, elle glissa de son tabouret, s'avala devant la cheminée et se mit à ronfler bruyamment, tandis que la bouteille vide de bière au beurre roulait sur le sol d'allée. Une demi-douzaine d'elfes se précipitèrent, l'air dégoûté. L'un d'eux ramassa la bouteille, les autres recouvrèrent Wilkie d'une grande nappe à carreaux en la portant de tous côtés pour la cacher entièrement. Nous sommes désolés que vous ayez vu ça, messieurs, mesdemoiselles, couina l'un des elfes qui hochait la tête d'un air honteux. Nous espérons que vous ne nous jugez pas d'après Wilkie, messieurs et mademoiselles. Elle est malheureuse, répliqua Hermione d'un ton exaspéré. Pourquoi n'essayez-vous pas de lui remonter le moral au lieu de la cacher sous une nappe? Je vous demande pardon, mademoiselle, répondit l'elfe en s'inclinant bien bas. Mais les elfes de maison n'ont pas le droit d'être malheureux tant qu'il y a du travail à faire et des maîtres à servir. Ça suffit, dit Hermione avec colère. Écoutez-moi, tous. Vous avez autant le droit que les sorciers d'être malheureux. Vous avez droit à un salaire, à des vacances, à des vêtements convenables, et vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que vous dites de faire. Regardez Dobby, par exemple. Mademoiselle, s'il vous plaît, laissez Dobby en dehors de tout ça, marmonna Dobby, les rappeurs. Les sourires joyeux avaient disparu des visages. Autour de la cuisine, les elfes regardaient à présent Hermione comme si elle était devenue folle et dangereuse. Voici les provisions que vous avez demandées, couina un elfe à côté de Harry, en lui mettant dans les bras un gros jambon, une douzaine de gâteaux et des fruits. Au revoir. Les autres elfes se regroupèrent autour de Harry, de Ron et d'Hermione et entreprirent de les faire sortir de la cuisine, leurs petites mains les poussant au creux des reins. Merci pour les chaussettes, Harry Potter, s'écria Dobby d'une voix consternée. Il était resté devant la cheminée, à côté de la nappe informe qui recouvrait Wilkie. Tu n'aurais pas pu la fermer, Hermione, dit Ron d'un ton furieux, lorsque la porte de la cuisine te fut brutalement refermée derrière eux. Ils ne voudront plus qu'on vienne les voir maintenant. On aurait pu essayer de convaincre Wilkie de nous dire plus ce qu'on sur Croupton. Comme si ça t'intéressait, répliqua Hermione d'un air hautain. Tout ce qui t'importe quand tu viens ici, ce sont les gâteaux. Le reste de la journée se passa dans un climat d'irritabilité. Harry en avait tellement assez d'entendre Ron et Hermione se disputer dans la salle commune de Gryffondor qu'il monta tout seul dans la volière ce soir-là pour envoyer à Sirius ses provisions. Quoique Sigrid était trop petit pour porter tout seul un jambon entier jusqu'à la montagne de Bréolar. Et Harry préféra confier cette mission à deux hiboux petits ducs de l'école.
sol. Lorsqu'ils se furent éloignés dans le crépuscule, volant étrangement de travers sous le bois du gros jambon, Harry resta accoudé au rebord de la fenêtre et regarda le parc. La silhouette sombre des arbres de la forêt interdite dont la cime oscillait au loin, et les voiles du vaisseau de Tom Strong qui ondulaient sous la brise. Il vit un hibou grand-duc traverser les voûtes de fumée qui s'élevaient de la cheminée de Hagrid. Le hibou vola vers le château, contournant la volière, puis disparut un peu plus loin. Harry baissa les yeux et aperçut Hagrid qui creusait avec énergie devant sa cabane. Il se demanda ce qu'il pouvait bien faire. On aurait dit qu'il préparait un nouveau potager. Madame Maxime sortit alors du carrosse de Beaubaton et s'avança vers lui. Elle semblait vouloir engager la conversation, mais Hagrid, appuyé sur le manche de sa pelle, n'avait pas disposé à parler très longtemps, car Madame Maxime retourna bientôt vers son carrosse. Harry n'avait pas très envie de retourner à la tour de Gryffondor pour entendre Ron et Hermione se disputer, et elle préféra rester là, à regarder Hagrid creuser la terre jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse dans la nuit tombante. Tandis que les hiboux de la volière se réveillaient et s'envolaient par la fenêtre dans un bruissement d'ailes. Le lendemain, au petit déjeuner, la mauvaise humeur de Ron et d'Hermione s'était estompée et au grand soulagement de Harry, les sombres prédictions de Ron selon lesquelles les elfes de maison les enverraient désormais des plats de moins bonne qualité pour punir Hermione de les avoir insultés se révélèrent infondées. Le lard, les œufs et les harengs était toujours aussi succulent que d'habitude. Lorsque les hiboux apportèrent le courrier, Hermione leva les yeux d'un air impatient, comme si elle attendait quelque chose. « Percy n'a pas encore eu le temps de nous répondre, » dit Ron. « On a envoyé Edwidge hier seulement. »« Ce n'est pas ça que j'attends, » répondit Hermione. « Je me suis abonnée à la Gazette du Sorcier. J'en ai assez que ce soit toujours les Serpentards qui nous donnent les nouvelles. » »« Bonne idée, » dit Harry, qui regardait également les hiboux. « Tiens, Hermione, je crois que tu as de la chance. » Une chouette laponne descendait vers elle. « Elle n'a pas de journal, » dit Hermione, l'air déçue. « C'est... » Elle vit avec surprise la chouette laponne se poser devant son assiette, suivie de très près par 4 chouettes effraies et 2 hulottes. « Tu as pris combien d'abonnements ?» demanda Harry. Il eut tout juste le temps d'attraper le gobelet d'Hermione avant qu'il ne soit renversé par les chouettes qui se pressaient vers elle, chacune voulant être la première à lui donner sa lettre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'étonna Hermione en prenant la lettre attachée à la patte de la chouette laponne. Elle la retira de son enveloppe et commença à la lire. « Incroyable !» palpitina-t-elle, le teint rougissant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Ron. « C'est ridicule !» Elle donna la lettre à Harry, qui remarqua qu'elle n'était pas écrite à la main. Elle était composée à l'aide de lettres apparemment découpées dans la Gazette du Sorcier et collées les unes à côté des autres. Espèce de vieille idée vercondée, Harry Potter mérite mieux que toi. Retourne chez les Moldus. Elles sont toutes comme ça, s'exclama Hermione, d'un air consterné, en ouvrant les lettres les unes après les autres. Harry Potter vaut beaucoup mieux que des semblables. Tu mérites qu'on te fasse bouillir avec tes yeux de grenouille. Oui. Lorsqu'elle eut ouvert la dernière enveloppe, un liquide verdâtre dégageant d'une forte odeur d'essence ruissela sur ses mains et elle se couvrit aussitôt de gros furoncles. « C'est du pu de Bulbop !» dit Ron en reniflant l'enveloppe et non dilué en plus. « Aïe !» s'écria Hermione les larmes aux yeux. Elle essaya de s'essuyer les mains avec une serviette, mais ses doigts étaient recouverts de cloques douloureuses. On aurait dit qu'elle avait mis des gants en peau de poulpe. « Tu ferais mieux d'aller tout de suite à l'infirmerie, » dit Harry, tandis que les chouettes reprenaient leur vol. « On expliquera au professeur Jourave ce qui t'est arrivé. »« Je l'avais prévenu, » dit Ron, en regardant Hermione sortir précipitamment de la grande salle. « Je lui avais dit de ne pas énerver Rita Skeeter. Tiens, regarde celle-ci. » Il la lut à haute voix. L'une des lettres qu'Hermione avait laissée sur la table. « J'ai lu dans Sorcier Hebdo. Comment tu t'es moqué de Harry Potter alors que ce garçon a déjà connu de grands malheurs et je vais t'envoyer un mauvais sort par prochain courrier dès que j'aurai trouvé une enveloppe assez grande. Eh bien, dis donc,
ne se montra pas en cours de botanique. Lorsque Harry et Ron sortirent de la serre pour se rendre au cours de soins aux créatures magiques, ils virent Malfoy, Crabbe et Goyle qui descendaient les marches de pierre du château. Derrière eux, Pansy Parkinson, entouré de ses amis de Serpentard, parlait à voix basse en bouffant de rire. Dès qu'elle aperçut Harry, elle lui lança. « Potter, tu as rompu avec ta petite amie ou quoi ? Elle n'avait pas l'air très contente ce matin. » Harry ne lui prêta aucune attention. Il ne voulait pas lui donner la satisfaction d'apprendre à quel point l'article de Sorcier Hebdo avait été dévastreux. Hagrid leur avait annoncé lors du dernier cours qu'ils en avaient fini avec les licornes. Il les attendait devant sa cabane, de nouvelles boîtes disposées à ses pieds. Lorsqu'il les vit, Harry ressentit un instant d'angoisse. S'agissait-il d'une nouvelle couvée de scout ? Mais en s'approchant, il aperçut des animaux à fourrure noire, avec des longs museaux et des petites pattes étrangement plates comme des pelles. De toute évidence, les créatures ne comprenaient pas l'attention dont elles faisaient l'objet et regardaient les élèves d'un air poliment intrigué. Ce sont des nifleurs, dit Hagrid, lorsque le monde se fut rassemblé autour de lui. On les trouve principalement dans les mines. Ils aiment bien tout ce qui brille. Tenez, vous voyez. Pansy Parkinson fit un bond en arrière. Son cri perçant. L'un des nifleurs venait de lui sauter dessus et lui mordit le poignet pour essayer de lui arracher sa montre. Ils sont très utiles pour découvrir des trésors, expliqua Hagrid d'un ton joyeux. J'ai pensé qu'on pourrait s'amuser un peu. Vous voyez là-bas. Il montra le carré de terre que Harry l'avait vu creuser depuis la volière. J'ai enterré quelques pièces d'or. J'offre une récompense à qui en déterra le plus grâce à son nifleur. Enlevez vos objets de valeur. Choisissez chacun un nifleur et tenez-vous prêt à le lâcher. Harry ôta de son poignet la montre cassée qu'il continuait de porter par habitude et la glissa dans sa poche. Puis, il prit un nifleur qui lui flaira avidement l'oreille avec son long museau. Il lui surprit de voir à quel point l'animal était affectueux. « Attendez, » dit Hagrid, en remuant l'une des boîtes. « Il y a un nifleur en trop. Qui est-ce qui est absent ?»« Oui, Hermione. » « À l'infirmerie, » dit Ron. « On vous expliquera plus tard, » murmura Harry. Pansy Parkinson écoutait attentivement. Jamais il ne s'était autant amusé à un cours de soins aux créatures magiques. Les nifleurs plongeaient dans la terre et en ressortaient avec autant de facilité que si c'était de l'eau, chacun se précipitant vers l'élève qu'il avait choisi pour lui recracher de l'or dans les mains. Celui de Ron se montra particulièrement efficace et le couvrit d'or. « Est-ce qu'on peut en acheter comme animaux de compagnie, Hagrid ?» demanda-t-il avec enthousiasme, tandis que son nifleur se remettait à creuser en l'éclaboussant de terre. « Ça m'étonnerait que ta mère soit d'accord, » répondit Hagrid avec un grand sourire. « Les nifleurs cassent tout quand on les met dans une maison. Je crois qu'ils ont dû tout déterrer maintenant, » ajouta-t-il en faisant le tour du carré de terre. « Je n'avais caché qu'une centaine de pièces. »« Ah, voilà Hermione !» Hermione traversa la pelouse pour les rejoindre, les mains entièrement recouvertes de bandages et l'air abattu. Pansy Parkinson l'observa avec des petits yeux perçants. On va avoir vos résultats, dit Hagrid. Comptez vos pièces. Et ça ne sert à rien d'envoler Goyle, ajouta-t-il avec le regard noir. C'est de l'or de farfadet. Il disparaît tout seul au bout de quelques heures. Goyle vida ses poches l'air boudeur. Le nifleur qui avait déterré le plus de pièces était celui de Ron, à qui Hagrid donna la récompense promise. Une énorme tablette de chocolat de chez Onectuc. La cloche retentit, annonçant l'heure du déjeuner. Et les élèves reprirent le chemin du château. Mais Harry, Ron et Hermione restèrent avec Hagrid pour l'aider à remettre les nifleurs dans leur boîte. Harry remarqua que Madame Maxime les observait derrière une fenêtre du carrosse. « Qu'est-ce que tu t'es fait aux mains ?» s'inquiéta Hagrid. Hermione lui parla des lettres de menace qu'elle avait reçues et de l'enveloppe pleine de pus de Polpops. « Bah, ne t'inquiète pas, » dit Hagrid d'une voix douce. « Moi aussi. » J'en ai eu des lettres comme ça après l'article de Rita Skeeter sur ma mère.
avec des choses du genre « Vous êtes un monstre et on devrait vous abattre » ou encore « Votre mère a tué des innocents et si vous aviez un peu de dignité, vous vous jeteriez dans le lac. » Non, s'exclamèrent bien outrés. « Mais si » dit Hagrid en rangeant les boîtes de nifleurs le long du mur de sa cabane. « Ce sont des cinglés, tout simplement. Ne les ouvre pas si tu en reçois d'autres. Jette-les directement au feu. » Tu as manqué un très bon cours, dit Harry à Hermione sur le chemin du château. C'était vraiment bien les nifleurs, pas vrai, Ron? Ron, cependant, fronçait les sourcils en regardant le chocolat que Hagrid lui avait donné. Il avait l'air préoccupé par quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Harry. Tu ne l'aimes pas, ce chocolat? Ce n'est pas ça, répondit Ron d'un ton brusque. Pourquoi tu ne m'as rien dit à propos de cet or? L'or de Farmaday que je t'ai donné dans la loge pour te rembourser des multiplettes. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il avait disparu? Harry dut réfléchir un moment avant de comprendre de quoi Ron voulait parler. Ah oui, dit-il, en se rappelant enfin. Je ne sais pas, je n'avais jamais remarqué qu'il avait disparu. J'étais beaucoup plus inquiet d'avoir perdu ma baguette magique. Ils montèrent les marches du château et se dirigèrent vers la grande salle pour aller déjeuner. Ça doit être bien, dit Ron, après cette serviture au spif et de la sauce, d'avoir tellement d'argent qu'on peut perdre une poignée de galions sans même s'en apercevoir. Écoute, j'avais d'autres choses en tête cette nuit-là, répliqua Harry avec impatience. Tout le monde avait d'autres soucis, tu te souviens? Je ne savais pas que Lord Farfadet disparaissait, marmonna Ron. Je croyais que je t'avais remboursé. Tu n'aurais pas dû m'offrir ce chapeau des canons de Chudley pour Noël. N'y pense plus, d'accord, dit Harry. Ron planta sa fourchette dans une pomme de terre et la regarda d'un air furieux. Puis il ajouta, j'ai horreur d'être pauvre. Ah, et Hermione échangèrent un regard. Ni l'un ni l'autre ne savaient que répondre. C'est vraiment lamentable, dit Ron, l'œil toujours fixé sur sa pomme de terre. Je comprends que Fred et George essayent de gagner un peu d'argent en plus. J'aimerais bien pouvoir m'en faire autant, si seulement j'avais un nifleur. Comme ça, on saura quoi t'offrir à Noël prochain, dit Hermione d'un air joyeux. Puis, voyant Ron toujours aussi mélancolique, elle ajouta. Allez Ron, ça pourrait être pire. Toi au moins, tu n'as pas les doigts pleins de pus. Les mains d'Hermione étaient si raides et enflées qu'elle avait la plus grande difficulté à manier son couteau et sa fourchette. « Je hais cet horrible Skeeter !» s'exclama-t-elle avec férocité. « Je lui ferai payer ça, même si c'est la dernière chose que je dois faire de ma vie. » Au cours de la semaine suivante, Hermione continua de recevoir des lettres de menaces. Elle avait suivi le conseil de Hagrid et avait cessé de les ouvrir, mais plusieurs de ses correspondants anonymes lui envoyaient des beuglances qui explosaient à la table de Gryffondor en hurlant des insultes d'une voix si perçante qu'elle résonnait dans toute la grande salle. Même ceux qui ne lisaient pas Sorcière Hebdo furent bientôt au courant du prétendu triangle Harry Crumb, Hermione, et Harry en eut assez d'être obligé de répéter sans cesse qu'Hermione n'était pas sa petite amie. Si on n'y fait pas attention, ça finira par se calmer, dit-il à Hermione. Les gens ont fini par se lasser de ce qu'elle a écrit sur moi la dernière fois. Je veux savoir comment elle s'y prend pour écouter les conversations privées, alors qu'elle n'a pas le droit de mettre les pieds à Poudlard, dit Hermione avec colère. À la fin du cours de défense contre les forces du mal, elle a demandé quelque chose au professeur Maugrey pendant que le reste de la classe se ruait vers la sortie avec soulagement. Maugrey les avait soumis à des tests si rigoureux de défense contre les maléfices que beaucoup d'entre eux avaient été légèrement blessés. Harry avait reçu de plein fouet un sortilège de folle oreille, particulièrement redoutable, qui l'obligeait à garder les mains plaquées de chaque côté de sa tête pour empêcher ses oreilles de s'agiter dans tous les sens. On peut être sûr que Rita n'utilise pas de cap d'invisibilité. Annonça Hermione le souffle court en rattrapant Harry et Ron dans le hall d'entrée. Elle saisit la main de Harry et le tira vigoureusement pour qu'il puisse l'entendre. Son oreille se remit aussitôt à se tortiller avec frénésie. Maugrey m'a dit qu'il ne l'avait vu nulle part pendant la deuxième tâche. Hermione
tu nous écouterais, dit Ron. Non, répondit Hermione d'un air buté. Je veux absolument savoir comment elle s'y est prise pour entendre ma conversation avec Victor et comment elle a fait pour découvrir qui était la mère de Hagrid. Peut-être qu'elle a mis des micros, suggéra Harry. Quoi, des petits gros ? Dit Ron sans comprendre. Si elle avait des... S'il y avait eu des petits gros qu'on ne connaissait pas, on les aurait remarqués. Des micros, rectifia. On en trouve qui ne sont pas plus gros que des insectes. Impossible de les voir. Harry lui donna quelques explications sur les micros cachés et les magnétophones. Ron était fasciné, mais Hermione les interrompit. Est-ce qu'un jour, vous allez enfin prendre la peine de lire l'histoire de Poudlard tous les deux ? À quoi ça servirait, dit Ron. Tu connais le bouquin par cœur, il suffit de te demander. Tout ce que les moldus ont inventé pour remplacer la magie, l'électricité, les ordinateurs, les radars et tous ces machins-là ne peut pas fonctionner à Poudlard. Il y a trop tant de magie qui dans l'air, il se détraquerait complètement. Non, Rita doit se servir d'un artifice de sortilège pour écouter les gens. C'est impossible autrement. Si seulement j'arrivais à découvrir ce que c'est. Et si jamais c'est illégal, je la tiens. Tu ne trouves pas qu'on a déjà assez de soucis comme ça, demanda Ron. Tu crois vraiment que c'est le moment de chercher à se venger de Rita Skeeter? Je ne te demande pas de m'aider, répliqua Hermione d'un ton sec. Je m'en occuperai moi-même. Elle monta l'escalier de marbre, sans un regard en arrière. Harry était sûr qu'elle allait à la bibliothèque. Tu parais combien? Qu'elle revient avec une boîte de badge. Je hais Rita Skeeter, dit Ron. Mais Hermione ne leur demanda pas de l'aider à se venger de Rita Skeeter, ce dont il fut reconnaissant, car la quantité de travail qu'ils avaient à faire pendant les vacances de Pâques ne cessait d'augmenter. Harry s'émerveillait qu'Hermione trouve le temps de se consacrer à la recherche sur la méthode d'espionnage magique, en plus de tout le reste. Lui-même travaillait jusqu'à l'épuisement, pour arriver à finir tous ses devoirs, tout en veillant, quand même, à envoyer régulièrement des provisions dans la caverne où se cachait Sirius. Après l'été qu'il avait passé, il n'avait pas oublié ce que signifiait avoir continuellement faim. Il joignait à ses paquets des victuailles des lettres pour dire à Sirius qu'il ne s'était rien passé d'inhabituel et qu'ils attendaient toujours la réponse de Percy. Et Twitch ne revint qu'à la fin des vacances de printemps. La lettre de Percy se trouvait dans un colis d'œufs de Pâques que Madame Weasley leur avait envoyé. Ceux de Ron et de Harry étaient aussi gros que des œufs de dragon et remplis de caramel maison. Celui d'Hermione, en revanche, était plus petit qu'un œuf de poule. En le voyant, elle fit la grimace. « Ta mère ne lit pas sorcière Hepto par hasard, Ron ? » demanda-t-elle à voix basse. « Si. » répondit Ron, la bouche pleine de caramel. Elle l'achète pour les recettes de cuisine. Hermione regarda avec tristesse son œuvre minuscule. Tu ne veux pas lire ce qu'a écrit Percy ? Lui demanda précipitamment Harry. La lettre qu'il avait envoyée était courte et sèche. Comme je ne le cesse de le répéter à la casette du sorcier, Monsieur Croupton prend un repos bien mérité et m'envoie régulièrement ses instructions par hibou. Non, je ne l'ai pas vu. Mais je pense qu'on peut me faire confiance pour connaître l'écriture de mon propre supérieur. En tout cas, j'ai suffisamment à faire en ce moment pour ne pas perdre de temps à essayer de dissiper ces rumeurs ridicules. Je vous serai donc reconnaissant de ne plus me déranger, à moins que vous n'ayez quelque chose d'important à me dire. Joyeuse Pâques. En temps normal, au début du troisième trimestre, Harry aurait dû suivre un entraînement intensif en vue du dernier match de Quidditch de la saison. Mais cette année, c'était à la troisième tâche du tournoi des trois sorciers qu'il devait se préparer, sans savoir toutefois en quoi elle allait consister. Enfin, dans la dernière semaine de mai, le professeur McGonagall le retint à la sortie d'un cours de métamorphose. Potter, devriez vous rendre au terrain de Quidditch ce soir à 9h, lui dit-elle. Monsieur Verpet vous y attendra pour vous indiquer aux champions la nature de la troisième tâche. À 8h30 ce soir-là, Harry laissa Ron et Hermione dans la salle commune de Gryffondor et descendit les escaliers. Lorsqu'il arriva dans le hall d'entrée, Cédric apparut à son tour, sortant de Pouf-Souffle.
où ils se rendirent ensemble au terrain de Quidditch, sous le ciel nocturne chargé de nuages. « Qu'est-ce que ça va être, à ton avis ?» demanda Cédric. Fleur est persuadée qu'il va falloir découvrir un trésor caché dans des souterrains. « Ce ne serait pas trop mal, » dit Harry, en songeant déjà qu'il lui suffirait de demander à Hagrid de lui prêter un nid-fleur pour faire le travail à sa place. Ils traversèrent la pelouse, plongés dans l'obscurité, et entrèrent sur le terrain de Quidditch, en passant entre deux rangées de gradins. « Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué ?» s'indigna Cédric en s'arrêtant net. Le terrain avait cessé d'être plat et lisse, et il était sillonné de longs murs bas qui serpentaient en se croisant en tous sens. Ce sont des haies, dit Harry, qui s'étaient penchés pour regarder de plus près. « Bonjour !» lança d'une voix joyeuse. Ludo Verpet se tenait au milieu du terrain, en compagnie de Crum et de Fleur. Harry et Cédric s'avancèrent vers eux, en enjambant les haies, et Fleur fit un grand sourire à Harry. Son attitude envers lui lui avait complètement changé depuis qu'il avait sauvé sa sœur du lac. « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» dit Verpet d'un air ravi, lorsque Harry et Cédric eurent franchi la dernière haie. « Elle pousse bien, non ?» Encore un mois, et grâce aux bons soins de Hagrid, elles auront atteint 6 mètres de hauteur. « Ne vous inquiétez pas, » ajouta-t-il, avec un sourire en voyant leurs expressions déconfites. « Votre terrain de Quidditch sera remis en état dès que la tâche sera terminée. J'imagine que vous avez deviné ce qu'on est en train d'installer. » Pendant un instant, tout le monde resta silencieux, puis « Un labyrinthe !» grommela Crum. « Exactement !» approuva Verpet. Un labyrinthe. Le principe de la troisième tâche est tout simple. Le trophée du tournoi sera placé au centre du seul labyrinthe. Le premier champion qui l'attrapera recevra la note maximale. Il suffit simplement de trouver son chemin dans le labyrinthe, demanda Fleur. Oh, bien sûr, il y aura des obstacles, répondit Verpet d'un air qui irait, en se balançant devant. Crit va nous fournir quelques créatures pour pimenter l'épreuve. Il y aura aussi des mauvais sorts qu'il faudra conjurer. Des tas de choses dans ce genre-là. Les champions qui ont actuellement le plus grand nombre de points pénétreront les premiers dans le labyrinthe. Verpet adressa un grand sourire à Harry et à Cédric. Ensuite, ce sera au tour de Monsieur Crumb, puis à celui de Miss de la Cour. Mais chacun aura sa chance. Tout dépendra de la façon dont vous parviendrez à franchir les obstacles. Ce devrait être amusant. Harry, qui était bien placé pour savoir quel genre de créature Hagrid était capable de fournir, en semblables circonstances, tout effort qu'il puisse trouver manière à s'amuser. Mais il se contenta de hocher poliment la tête, comme les autres champions. Parfait. Si vous n'avez pas de questions à poser, nous pouvons tout de suite rentrer au château. Il fait un peu froid dehors. Tout le monde prit le chemin de la sortie et Verpet se précipita aux côtés de Harry. Celui-ci s'attendait à ce que Verpet lui proposât de nouveau son aide, mais au même instant, il sentit quelqu'un lui tapoter l'épaule. C'était Crumb. Harry, je pourrais te parler. Oui, bien sûr, répondit Harry, légèrement surpris. Allons faire un tour, tu veux bien? « Ok, » dit Harry avec curiosité. Verpet eut l'air un peu décontenancé. « Je t'attends, Harry, d'accord ?»« Oh, ce n'est pas la peine, monsieur Verpet, » répondit Harry en réprimant un sourire. « Je crois que je saurai retrouver tout seul le chemin du château. » Harry et Crumb quittèrent le stade ensemble, mais Crumb ne prit pas la direction du vaisseau de Tom Strong. Il marcha vers la forêt. « Pourquoi on va par là ?» demanda Harry, au moment où il pensait davantage. Où il passait devant la cabane de Hagrid et le carrosse illuminé de beaux bâtons. Je ne voudrais pas qu'on surprenne notre conversation, répliqua vivement Crumb. Lorsqu'ils eurent atteint un coin suffisamment à l'écart pour ne pas risquer d'être entendu, Crumb s'arrêta dans l'obscurité des arbres et se tourna vers Harry. Je voudrais savoir, dit-il, le regard flamboyant, ce qu'il y a entre toi et Hermione. Harry, qui s'était attendu à quelque chose de beaucoup plus sérieux, en voyant les airs mystérieux de Crumb, le regarda d'un air stupéfait. Rien, répondit-il. Mais le regard de Crumb fond, il y a de plus belle, et Harry, qui
pas ma petite amie et elle ne l'a jamais été. C'est cette Rita Skeeter qui a tout inventé. Hermione parle très souvent de toi, dit Crumb en regardant Harry d'un air soupçonneux. Oui, dit Harry, c'est parce que nous sommes amis. Il avait du mal à croire qu'il était en train d'avoir une conversation avec Victor Crumb, le célèbre joueur de Quidditch international. C'était comme si, à 18 ans, Crumb considérait Harry comme un égal, un véritable rival. Tu n'as jamais... Vous n'avez pas... Non, répondit Harry d'un ton ferme. Crumb parut un peu plus heureux. Il regarda Harry pendant quelques instants, puis il dit « Tu es très bon sur un balai. Je t'ai regardé pendant la première tâche. » Merci, répondit Harry avec un grand sourire et l'impression soudaine d'avoir lui-même grandi de plusieurs centimètres. Moi, je t'ai vu à la Coupe du Monde. La fin de Vronsky, c'était vraiment... Quelque chose bougea dans les arbres derrière Crumb. Et Harry, qui avait l'expérience des créatures que cachait la forêt, saisit instinctivement Crumb par le bras et le tira vers lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Harry hocha la tête en regardant l'endroit suspect et plongea la main dans sa poche pour prendre sa baguette magique. Un instant plus tard, un homme sortit en titubant de derrière un grand chêne. Harry ne le reconnut pas immédiatement. Puis, il comprit qu'il s'agissait de Monsieur Groupton. On aurait dit qu'il venait de faire un voyage de plusieurs jours. Sa robe de sorcier était déchirée et tachée de sang à la hauteur des genoux. Son visage portait des égratignures. Il avait une barbe de plusieurs jours, le teint grisâtre, l'air épuisé. Ses cheveux d'ordinaire si bien coiffés auraient eu besoin d'un shampoing et d'une bonne coupe. Sa moustache elle-même paraissait beaucoup moins nette que d'habitude. Mais son comportement était plus étrange encore que son apparence. Non, gesticulant, Monsieur Groupton semblait parler à quelqu'un que lui seul pouvait voir. Il rappelait d'une manière saisissante un vieux clochard que Harry avait un jour vu en allant faire les courses en compagnie des Dursley. Lui aussi parlait tout seul en faisant de grands gestes. La tante Pétunia avait attrapé la main de Dudley et l'avait entraînée sur le trottoir d'en face pour éviter de passer devant lui. L'oncle Vernon avait ensuite gratifié la famille d'un long discours sur le traitement qu'il conviendrait, selon lui, de réserver aux mendiants et aux vagabonds. C'est un des juges, non ? Dit Crumb en regardant attentivement M. Groupton. Il n'était pas avec votre ministre. Harry approuva d'un signe de tête, puis il s'approcha lentement de M. Groupton, qui ne lui prêta aucune attention, et continua de parler à l'arbre devant lequel il se tenait. Et lorsqu'il eut terminé, et lorsque vous le saurez terminé, Weasley, vous enverrez un hibou à Dumbledore pour lui confirmer le nombre d'élèves de Tom Strong qui assisteront au tournoi, car Karkaroff vient de nous en informer qu'ils seront tous. Monsieur Groupton, dit prudemment Harry. Ensuite, vous enverrez un autre hibou à Madame Maxime, parce qu'il se peut qu'elle veuille augmenter le nombre des élèves qui l'accompagnent maintenant que Karkaroff a limité les siens à 12. Faites cela le plus vite possible, Weasley, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Monsieur Groupton avait les yeux exorbités. Il fixa le tronc de l'arbre en marmonnant des paroles incompréhensibles, puis vacilla et tomba. Monsieur Groupton, dit Harry à voix haute, que se passe-t-il ? Les yeux de Barty Groupton roulèrent dans leurs orbites. Harry se tourna vers Crumb, qui l'avait rejoint, et regardait Groupton d'un air anxieux. Qu'est-ce qui lui arrive ? Aucune idée, murmura Harry. Il faudrait peut-être aller chercher quelqu'un. Dumbledore, dit Monsieur Groupton d'une voix haletante. Il tendit la main et s'agrippa à la robe de Harry qu'il tirait vers lui. Mais ses yeux se fixèrent quelque part au-dessus de sa tête. Je dois voir Dumbledore. D'accord, dit Harry. Si vous voulez bien vous relever, Monsieur Groupton, je vous accompagnerai au... J'ai fait... Des choses stupides, murmura Monsieur Groupton dans un souffle. Il avait l'air complètement fou. Ses yeux exorbités continuaient de rouler dans leurs orbites et un filet de salive coulait sur son menton. Chaque mot qu'il prononçait semblait lui coûter un terrible effort. Dire Dumbledore. Levez-vous, Monsieur Groupton, dit Harry à haute et intelligible voix. Levez-vous, je vais vous amener auprès de Dumbledore.
Les yeux de Monsieur Croupton roulèrent à nouveau avant de se poser sur Harry. « Qui ? Vous ? » murmura-t-il. « Je suis un élève de l'école, » répondit Harry, qui se tournait vers Crumb en espérant un peut-être. Un peut-être. Mais Crumb restait en regret, l'air de plus en plus inquiet. N'êtes pas avec lui, murmura Croupton, la mâchoire tombante. Non, tiens, sans avoir la moindre idée de ce que Croupton voulait dire. Du côté Dumbledore, c'est ça, assura Harry. Croupton le tira un peu plus vers lui. Harry essaya de faire lâcher prise, mais sa main serrait sa robe avec une force incroyable. Avertir Dumbledore. Si vous me lâchez, je vais aller chercher Dumbledore, promit Harry. Lâchez-moi, Monsieur Croupton, et je le ramène ici. Merci, Weasley. Et quand vous aurez fini, j'aimerais bien une tasse de thé. Ma femme et mon fils ne vont pas tarder à arriver. Nous devons aller à un concert ce soir avec Monsieur et Madame Fudge. Croupton avait recommencé à parler à l'arbre sans aucune difficulté d'élocution et semblait ne plus s'apercevoir de la présence de Harry. Celui-ci fut tellement surpris qu'il ne s'aperçut pas tout de suite que Croupton l'avait lâché. « Oui, mon fils a obtenu 12 buses. C'est très satisfaisant. En effet, merci, oui, c'est vrai. Je ne vous cache pas que j'en éprouve une certaine fierté. Et maintenant, pourriez-vous m'apporter ce mémorandum du ministère de la magie d'Andorre? Je pense que je vais avoir le temps de rédiger une réponse. Reste ici avec lui, dit Harry à Crumb. Je vais chercher Dumbledore, ça ira plus vite. Je sais où est son bureau. Il est fou, dit Crumb d'un air dubitatif en regardant Croupton, qui continuait de parler à l'arbre, apparemment convaincu qu'il s'agissait de Percy. Reste avec lui, répéta Harry. Il se tourna vers le château, mais le mouvement qu'il vit déclenchit un autre changement brusque dans l'attitude de Monsieur Croupton, qui l'attrapa violemment par les genoux et le fit tomber par terre. « Ne me laissez pas !» murmura-t-il, les yeux à nouveau exorbités. « Je me suis enfui. Il faut prévenir Dumbledore. Ma faute. Entièrement ma faute. Bertha. Ma faute. Mon fils. Ma faute. » dit à Dumbledore. « Harry Potter, le seigneur des ténèbres, plus puissant. Harry Potter. J'irai chercher Dumbledore si vous me lâchez. » s'exclama Harry. Il jeta un regard furieux à Crumb. « Tu voudrais bien m'aider, s'il te plaît ?» Avec une appréhension extrême, Crumb s'avança et s'accroupit à côté de Monsieur Croupton. « Fais attention qu'il ne s'en aille pas, » dit Harry, en se dégageant de l'étreinte de Monsieur Croupton. « Je reviens avec Dumbledore. »« Dépêche-toi, d'accord ?» cria Crumb, tandis que Harry partait en courant vers le château. Le parc était désert. Verbeck, Cédric et Fleur avaient disparu. Harry monta les marches de pierre 4x4, fonça dans le hall d'entrée et s'engouffra dans l'escalier de marbre en direction du deuxième étage. 5 minutes plus tard, il se précipita vers une gargouille en pierre située au milieu d'un couloir vide. « Sorbet citron, » dit-il hors d'haleine. Il s'agissait du mot de passe qui donnait accès à l'escalier secret menant au bureau de Dumbledore, ou plutôt, c'était le mot de passe en vigueur 2 ans auparavant, mais de toute évidence, il avait changé car la gargouille restait immobile en regardant Harry d'un air mauvais. « Bouge !» s'écria Harry. « Tu vas bouger, oui ?» Mais rien à Poudlard n'avait jamais consenti à bouger d'un millimètre simplement parce qu'on se mettait à crier. Il savait donc qu'il était inutile d'insister. Dumbledore Harry scruta le couloir désert. Peut-être Dumbledore se trouvait-il dans la salle des professeurs. Il se mit à courir à toutes jambes en direction de l'escalier. « Potter !» Harry s'immobilisa en dérapant sur le sol et regarda par-dessus son épaule. Rogue venait de surgir de l'escalier secret, derrière la gargouille de pierre. Le mur se refermait dans son dos, en glissant silencieusement, tandis que Rogue faisait signe à Harry de s'approcher de lui. « Qu'est-ce que vous faites ici, Potter ? » demanda-t-il. « Il faut absolument que je voie le professeur Dumbledore, » répondit Harry, en courant vers Rogue.
devant qui il s'arrêta à nouveau dérapage. C'est à cause de Monsieur Groupton. Il vient d'arriver, il est dans la forêt, il demande. Qu'est-ce que vous racontez encore comme bêtise ? Coupa Rogue, les yeux noirs et brillants, de quoi parlez-vous ? Monsieur Groupton, s'écria Harry. Monsieur Groupton du ministère, il est malade ou je ne sais quoi, il est dans la forêt, il veut voir Dumbledore, donnez-moi le mot de passe pour que... Le directeur est occupé, Potter, dit Rogue. Ses lèvres minces retroussées en un horrible sourire. Il faut absolument que je parle à Dumbledore, s'exclama Harry. Vous ne m'avez donc pas entendu, Potter ? Harry sentait que Rogue, en le voyant dans un état de panique, prenait un plaisir d'autant plus intense à lui refuser ce qu'il demandait. Écoutez, dit Harry avec colère. Groupton n'est pas dans son état normal. Il n'a plus toute sa tête. Il dit qu'il veut avertir. Le mur de pierre s'écarta alors derrière Rogue et Dumbledore apparut dans l'ouverture, vêtu de sa longue robe verte, l'air un peu intrigué. Y aurait-il un problème ? Demanda-t-il, en regardant alternativement Harry et Rogue. Professeur, s'écria Harry, avant que Rogue ait pu dire un mot. Monsieur Groupton est ici. Il est dans la forêt. Il veut vous parler. Harry s'attendait à ce que Dumbledore lui pose des questions, mais à son grand soulagement, il n'en fit rien. Conduis-moi là-bas, dit-il, en lui emboîtant le pas. Rogue resta seul devant la gargouille, tellement furieux de voir Harry obtenir ce qu'il voulait, que son visage en devint plus repoussant que jamais. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Groupton ? Interrogea Dumbledore, alors qu'il descendait rapidement l'escalier de marbre. Il a dit qu'il voulait vous avertir, qu'il avait fait quelque chose de terrible. Il a parlé de son fils, et de Bertha Jenkins, et de Voldemort, en disant qu'il est devenu plus puissant. Vraiment, murmura Dumbledore, et il pressa le pas, tandis qu'il s'enfonçait dans l'obscurité du parc. Son comportement n'est pas normal, reprit Harry, en marchant plus vite et en se maintenant à la hauteur de Dumbledore. Il avait l'air de ne plus savoir où il est. Il parle comme s'il s'adressait à Percy Weasley, puis tout d'un coup, il a dit qu'il avait besoin de vous. Je l'ai laissé avec Victor Crumb. Avec Crumb, répéta Dumbledore d'un ton brusque. Il se mit à marcher encore plus vite, obligeant Harry à courir pour ne pas se laisser distancer. Qu'est-ce que tu sais si quelqu'un d'autre a vu Monsieur Groupton ? Je ne crois pas, répondit Harry. Crumb et moi, nous étions en train de parler. Monsieur Verpet venait de nous expliquer en quoi consistait la troisième tâche. On est resté derrière les autres, et c'est à ce moment-là que Monsieur Groupton est sorti de la forêt. Où sont-ils ? Un peu plus loin, le carrosse de Beaubaton se dessinait dans l'obscurité. Là-bas, dit Harry, en passant devant Dumbledore pour lui montrer le chemin. Il n'entendait plus la voix de Groupton, mais il savait où il allait. L'endroit se trouvait à proximité du carrosse, quelque part dans les environs. Victor ! Cria Harry. Personne ne répondit. C'est là qu'ils étaient, dit Harry. Je les ai laissés tout près d'ici. Lumos, dit Dumbledore, allumant sa baguette magique qu'il pointa devant lui. Son mince vaisseau de lumière se promena le long d'un arbre à l'autre en éclairant le sol. Tout à coup, il se posa sur une paire de pieds. Harry et Dumbledore se précipitèrent. Crumb était étendu de tout son long sur le sol de la forêt, apparemment inconscient. Il n'y avait pas trace de Monsieur Groupton. Dumbledore se pencha sur Crumb et se releva doucement une de ses paupières. Stupéfixié, dit-il à voix basse. Attendez, parce que j'ai froid. Il scruta l'obscurité qui régnait entre les arbres, ses lunettes en demi-lune, scintillant à la lueur de la baguette magique. « Vous voulez que j'aille chercher quelqu'un ?» demanda Harry. « Madame Pomfraîche. » « Écoute. » « Merci beaucoup pour le nouveau follow, c'est très gentil. »« Kaipiri, c'est comme ça qu'on dit. » « Installe-toi bien. » « Non, dit Dumbledore, reste ici. » Il leva sa baguette magique et la dirigea vers la cabane de Hagrid. Harry vit sortir de la baguette quelque chose d'argenté qui fila parmi les arbres, comme un oiseau fantomatique. Puis,
Dumbledore se pencha à nouveau sur Crumb, pointa sa baguette et murmura Enervatum. Crumb ouvrit les yeux, les répétait. Lorsqu'il vit Dumbledore, il essaya de se redresser, mais Dumbledore posa une main sur son épaule pour le faire se tenir tranquille. Il m'a agressé, bredouilla Crumb, en mettant une main sur son front. Le vieux fou m'a agressé. Je regardais pour voir où était passé Harry Potter et il m'a attaqué par derrière. Restez tranquille, ne bougez pas pour l'instant, dit Dumbledore. Des bruits de pas qui martelaient le sol comme un tonnerre retentirent alors derrière eux et Hagrid apparut, hors d'haleine, son arbalète à la main, croque dur sous ses talons. Professeur Dumbledore, s'exclama-t-il, les yeux écarquillés. Ah, qu'est-ce que... Hagrid, il faut que vous alliez chercher le professeur Karkaroff, dit Dumbledore. Son élève a été attaqué. Quand vous l'aurez prévenu, soyez assez aimable pour avertir également le professeur Maugrey. Inutile, Dumbledore, grogna d'une voix essoufflée. Je suis là. Maugrey s'avança de son pas claudiquant, s'appuyant sur son bâton, sa baguette magique allumée. Fichu Jean, marmonna-t-il avec fureur. J'aurais pu être là plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Roquet parlait de Groupton. Groupton, dit Hagrid, déconcerté. Hagrid, s'il vous plaît, allez chercher Karkaroff, répéta sèchement Dumbledore. Ah oui, oui, bien sûr, professeur. Hagrid fit volte-face et disparut dans l'obscurité, suivi par Croque-Dur. J'ignore où est parti Groupton, dit Dumbledore à Maugrey, mais il faut absolument le retrouver. Je m'en occupe, grogna Maugrey. Il pointa sa baguette magique devant lui et s'enfonça dans la forêt. Dumbledore et Harry restèrent silencieux jusqu'à ce qu'ils entendent à nouveau le bruit des pas caractéristiques de Hagrid qui revenait avec Croque-Dur. Karkaroff se hâta derrière eux, vêtu de sa fourrure argentée, le teint pâle, l'air anxieux. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » s'écria-t-il lorsqu'il vit Crumb étendu sur le sol. Harry et Dumbledore à ses côtés. « J'ai été agressé, » dit Crumb, qui s'était assis et se massait la tête. « C'est ce monsieur Groupton. » Groupton vous a agressé. Vous avez bien dit Groupton, le juge du tournoi. Igor, commença Dumbledore. Mais Karkaroff se redressa, serrant sa fourrure autour de lui, le visage livide. Trahison, s'exclama-t-il, le doigt pointé sur Dumbledore. C'est un complot. Vous et votre ministre de la magie m'avez attiré ici sous prétexte fallacieux, Dumbledore. Cette compétition n'est pas loyale. D'abord, s'arranger pour introduire clandestinement Potter dans le tournoi, bien qu'il n'ait pas l'âge minimal. Et maintenant, l'un de vos amis du ministère essaye de mettre mon champion hors d'état de concourir. Toute cette affaire est entachée de duplicité et de corruption, et vous, Dumbledore, vous, avec vos grands discours sur l'amitié internationale entre sorciers, et la nécessité de renouveler les liens du passé, d'oublier les anciennes différences, voilà ce que je pense de vous. Karkaroff cracha sur le sol, aux pieds de Dumbledore. D'un mouvement vif, Hagrid le saisit aussitôt par le col de sa fourrure, le souleva en l'air et le plaqua contre le tronc d'un arbre. « Des excuses !» exigea Hagrid d'un ton menaçant, tandis que Karkaroff, les jambes pendantes, suffoqué, étranglé par le poing massif de Hagrid qui lui écrasait la gorge. « Hagrid, non !» s'exclama Dumbledore, le regard étincelant. Hagrid lâcha Karkaroff qui glissa le long du tronc et s'effondra par terre en une masse informe. Quelques brindilles et des feuilles d'arbre lui tombèrent sur la tête. Hagrid, vous serez aimable de raccompagner Harry au château, dit sèchement Dumbledore. Respirant profondément, Hagrid lança à Karkaroff un regard noir. Je ferais peut-être mieux de rester avec vous, monsieur le directeur, Hagrid. Vous allez raccompagner Harry au château, répéta Dumbledore d'un ton sans réplique. Emmenez-le directement à la tour de Gryffondor. Et Harry, je veux que tu y restes. Tout ce que tu pourrais avoir envie de faire, envoyer tes hiboux par exemple, attendra jusqu'à demain matin, tu m'as bien compris. Ah, oui, dit Harry en le regardant d'un air intrigué. Comment Dumbledore avait-il pu deviner qu'en cet instant précis, il songeait à envoyer Cocusigre porter une lettre à Sirius pour lui raconter tout ce qu'il venait de se passer. « Je vous laisse Croque-Dur, monsieur le directeur, » dit Hagrid. Il continuait de lancer des regards menaçants à Karkaroff, toujours étalé par terre,
empêtré dans ses fourrures et ses racines d'arbre. Tu restes ici, Croque-Dur. Viens avec moi, Harry. Ils s'éloignèrent en silence, passèrent devant le carrosse de Bobaton, puis traversèrent le parc en direction du château. Comment osent-ils, grogna Hagrid, lorsqu'ils atteignirent la rive du lac. Comment osent-ils accuser Dumbledore, comme si Dumbledore était capable de faire une chose pareille, comme si Dumbledore avait voulu que tu participes au tournoi. Il y a longtemps que je n'ai pas vu Dumbledore aussi inquiet. Et toi, ajouta brusquement Hagrid, en se tournant vers Harry avec colère, qu'est-ce que tu faisais à te balader dehors avec ce fichu crum? Harry le regarda d'un air stupéfait. Enfin, rends-toi compte, il vient de Durmstrang. Il aurait pu te jeter un mauvais sort. Il ne t'a donc jamais rien appris, Maugrey. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Te laisse entraîner dans un coin désert. Crum n'a rien fait de mal, protesta Harry. Il n'a pas du tout essayé de me jeter un sort. Il voulait simplement me parler d'Hermione. Elle aussi, j'ai deux mots à lui dire, conta Hagrid d'un air sévère, en montrant d'un pas lourd les marches du château. Moi, quand t'es ces étrangers, mieux ça vaudra pour vous. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Vous aviez pourtant l'air de bien vous entendre avec Madame Maxime, répliqua Harry, agacé. Ah, celle-là ne ment pas, ça Hagrid. Super hâte.